Nous sommes légèrement en retard. Bien, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent. Nous allons procéder comme le veut le règlement intérieur à l'appel, s'il vous plaît, monsieur Collins, madame Majou, merci. Nous allons procéder à l'appel et pour ça il faut un secrétaire de séance. Ce soir c'est une secrétaire de séance et c'est madame Parmentier. Est-ce qu'elle est là ? Parfait, madame Parmentier, alors je vais vous passer la liste d'appels. Bonsoir. Richard Delepierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou. Christophe Consdorf. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Téménides. Philippe Collins. Marie-Laure Majou. Anne Testu. Gilles Bertin. Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Patrick Berthomé, Jean-Michel Vanger, Tanguy Odit de Kernen, Géraldine Arène-Schneider, Frédéric Darentière a donné pouvoir à Violaine Charpentier, Valérie Genquin, Agathe Méry, Parmentier Joséphine, Martial Prado, Ribert Camille, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sevelli, Lucie L'Oncle Duda a donné son pouvoir à Tanguy Odit de Kernen, Marie-Cécile Godot, Frédéric Rospigny-Cléricy, Jean-François Pemery, non, j'ai... Il l'a envoyé comment par mail ? Il l'a envoyé par mail, je pense qu'il vous l'a envoyé. On va regarder. On va prendre la base, s'il peut l'envoyer pendant la séance, c'est bien. Comment ? Maurice Toledano. Monsieur Soleil, je ne veux pas l'avoir vu, donc on va dire qu'on l'a cherché. Ok. Pardon, monsieur Toledano. Nicole Alquier. Donc, Karine Lemenet a donné son pouvoir à Brigitte Fauvel. Fabrice Tabary. Brigitte Fauvel. Guillaume de Châtelus a donné son pouvoir à Fabrice Tabarly. Stéphane Gors. Dorothée Bilger. Caroline Nocringer. Merci, madame Parmentier. Le quorum est largement atteint. Nous allons commencer par approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 24 novembre 2021. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des observations sur ce procès-verbal ? Je n'en vois pas. On peut donc considérer que ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'attire votre attention que l'administration va passer parmi vous, non pas pour faire une quête, mais pour vous faire signer deux procès-verbaux, parce qu'il y en a un qui a dû être approuvé en distanciel, et donc il faut qu'on signe en présentiel. Donc vous aurez droit à deux signatures. Nous allons ouvrir donc la séance par le rapport annuel de la collectivité sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et comme l'an dernier, ce rapport va vous être présenté à deux voix, masculine et féminine.
Madame Charpentier, Monsieur Ribert, vous avez mutuellement la parole dans l'ordre qu'il vous sera. Monsieur le maire, merci. Moi qui commence, puisque la première partie est plus sur la collectivité et finalement tout le côté RH. Puis la deuxième partie est sur les politiques autour liées au CCAS social que vous présentera Madame Charpentier. Donc, ce rapport fait effectivement suite à la loi du 14 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui réaffirme le rôle des collectivités territoriales pour atteindre une égalité effective. Les données qui sont à l'intérieur de ce document sont issues des chiffres de 2021 sur une base du rapport social unique RSU et puis aussi de 2020. Alors, sur la première partie, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire sur lesquelles on a, nous, finalement, une main réelle. Je prends en exemple le nombre de femmes dans la collectivité, qui est d'un taux de 60%. Aujourd'hui, même si on a des fois des volontés, finalement, d'attirer des femmes à des postes de cadre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il manque des cadres femmes, le choix d'une collectivité de dire « on va prendre une femme plutôt qu'un homme » n'est pas légal. Donc, effectivement, il y a toute une forme de dynamisme assez limité. On peut souhaiter finalement qu'une femme soit à ce poste, mais si on n'a que des hommes et si les hommes sont en termes de niveau de compétences supérieures, aujourd'hui, il n'y a pas un quota féminin qui fait qu'on aurait des raisons finalement d'améliorer ce ratio. Donc, c'est une somme toute assez compliquée de féminiser, c'est vraiment à la marge, sur ce type d'encadrement, par exemple. Je prends un exemple, on avait embauché un directeur de la petite enfance. On aurait pu penser que ça serait une femme puisque c'est une profession très féminine. Le résultat est qu'on a embauché finalement un homme parce que le CV et le fait qu'on ait eu des candidats étaient plutôt masculins. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a une main finalement, une forme de vœu un peu pieux évidemment, hein, qui est de dire la collectivité s'engage, la collectivité paye les hommes et les femmes de la même façon. Mais derrière, il y a une réalité de terrain qui est que quand on n'a que des candidats hommes pour un poste, on ne peut pas inventer une féminisation forcée. Sur les effectifs, comme l'année dernière, pourquoi 2/3 de femmes? Parce que nous avons beaucoup un service petite enfance qui est très développé et les filières de petite enfance sont effectivement, comme partout, hein, très féminines. Et donc, on a un effectif féminin qui est majoritaire sur la commune. Je prendrai un petit peu plus de temps sur les actions sur lesquelles on a pu avoir la main. Les temps partiels, de la même façon, hein, historiquement et encore aujourd'hui, la grande majorité des demandes de temps partiels sont des temps féminins. Aujourd'hui, il y a une vraie poussée du législateur à une forme de rééquilibrage et de changement de mœurs. Donc, on a de temps en temps maintenant des demandes d'hommes, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années et qu'on accepte de la même façon, ce qui permet d'équilibrer au fur et à mesure les choses, qui est aussi en lien finalement avec le congé paternité, puisqu'il a été, je crois que c'est à partir du mois de juillet de l'année dernière, passé à un mois. Donc, forcément aussi, le côté... où dans les tableaux, on voit des fois des durées dites de maladie, finalement, et d'arrêt de travail plus importantes chez les femmes, tend à s'équilibrer, puisque les hommes ont aussi maintenant la possibilité et l'obligation de prendre finalement leur un mois en fractionné. Ce qui explique des fois la différence entre le fait que ça soit fractionné amène une différence sur un 2021-2022. On a eu pas mal de décences finalement en fin d'année dernière, d'hommes qui des fois n'ont pris finalement que la moitié ou leur quart de congé, puisqu'ils vont prendre le reste sur l'année 2022. Et ça, évidemment, ça n'apparaît pas dans le tableau. Les formations sont toujours équilibrées, les absences au travail, il n'y a rien de... Hop, et effectivement, de la partie, voilà. Partie orientation, mise en œuvre de plans pluriannuels. Donc, on a poursuivi, évidemment, l'application dans le cadre strict de la législation de façon à ce que les régimes indemnitaires et les salaires de base soient égaux à poste identique, même si,
je dis même si, effectivement, dans les parcours professionnels des uns et des autres, il peut se créer des différences par le parcours professionnel, des différences par une proportion parfois à certaines personnes à demander de façon plus active une promotion qui peut être acceptée finalement dans un cas ou dans l'autre. Et encore aujourd'hui, on a une culture où finalement les femmes ont tendance à moins demander d'augmentation sur une carrière que les hommes, ce qui peut créer des petites différences. Une différence de salaire qui s'explique aussi, et on attend d'avoir d'autres logiciels pour avoir un peu plus de précision, mais la grande majorité de la différence de salaire s'explique aussi par les cadres d'emploi aujourd'hui. On a des filières, entre si vous prenez la filière technique d'un côté et la filière petite enfance de l'autre, où structurellement, la filière technique est mieux payée que la filière petite enfance. Or, dans la filière technique, vous avez des hommes, et dans la filière petite enfance, des femmes. Quand vous prenez la moyenne des deux, les femmes sont moins bien payées. Par contre, si vous prenez une femme dans le côté technique ou un homme dans la petite enfance, ils ont le même salaire. Donc, il y a aussi cette explication-là. On a mis en œuvre quelque chose d'important cette année, c'est ce qu'on appelle le DUER, un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'un réseau d'assistants de prévention. Ça, c'est un élément important pour justement que les postures, qui sont parfois difficiles au travail, qui permettent des fois des adaptations entre les hommes et les femmes, soient bien respectées. Donc, il y a toute une dimension au niveau de la prévention des risques, des usages et des modes de fonctionnement de travail qui doivent permettre, sur le moyen et le long terme, d'avoir des postes qui aujourd'hui serait peut-être physiquement plus compliqué pour des femmes, demain sera plus simple finalement à tenir et d'avoir un équilibrage dans certains services. Voilà finalement pour les actions de la ville qui sont à la fois une forme de logique dans le fait qu'on est un acteur public et qu'on doit et qu'on veut évidemment respecter la loi et en même temps, qui est du temps long, puisque modifier des organigrammes et des structures, on ne peut pas demain limoger une partie des agents pour les remplacer, pour équilibrer. Voilà pour ma partie, Madame Charpentier. Merci, Monsieur Ribert. Au niveau de la politique publique locale, en 2021, le fait important, c'était le centre de vaccination, bien évidemment. On a également aussi poursuivi le Yes Plus. C'est quoi? Enfin bref, l'IS Plus a continué avec des jeunes qui allaient s'occuper des personnes âgées, répondre au téléphone, aller les voir et tout. Au niveau de la sociologie, rien de renversant cette année. Il y a toujours à peu près 14 000 ménages, 42% de foyers d'une personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 13% de familles monoparentales et dans ces familles monoparentales, il y a 90% de femmes. Voilà. La population est légèrement vieillissante. On est un tout petit peu moins nombreux cette année à 31 233 personnes. Et la chose à remarquer, c'est qu'il y a moins de personnes âgées de moins de 65 ans et plus de personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, la population vieillit, c'est incontestable. Au niveau de la vie professionnelle, là, il y a tout à fait égalité. C'est-à-dire que le taux de chômage est le même pour les hommes et les femmes à 6,7%. Voilà. En revanche, comme partout en France, à un niveau de qualification égal, les femmes ont des emplois moins qualifiés. En revanche, le salaire moyen net d'une chaînée courtoise est supérieur de 30% au salaire moyen des Françaises. Voilà. Pour les cas de violence intrafamiliale, il y a 10 cas qui ont été révélés par le CCAS. Ça n'est que des femmes en couple avec enfants. Et au niveau de la police municipale, il y a eu 6 différents familiaux, comme on dit, et il y a eu 9 victimes. Alors, la question, c'est, mais pourquoi il y a 9 victimes alors qu'il y a 6 différents familiaux? En fait, il y a 5 femmes qui ont été victimes et 4 hommes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que parfois, les femmes rendent les coups. Bon, d'accord, c'est pas drôle. OK. Au niveau de l'inventaire des politiques communales, c'est comme l'année dernière. Donc, il y a toujours plein de crèches. Il y a des accueils de loisirs. Donc, on fait beaucoup de choses pour les femmes et les hommes. Il y a les espaces verts. Il y a un système de vidéosurveillance. Tout ça, ça fait partie des atouts de la ville. L'espace économie-emploi est apprécié de tous, des femmes et des hommes, mais surtout des femmes, puisque c'est 67% des participants sont des femmes. Et elles y apprécient la convivialité, notamment du café anglais de Madame Chevrier qui est ici. Voilà.
L'accompagnement social des jeunes en 2021, en partenariat avec l'association Horizon 78, le point d'écoute jeune est devenu un point écoute famille, comme ça, pour répondre encore plus à la demande des familles. Et puis pour les projets un petit peu de 2022, donc suite au diagnostic social de territoire, on va ouvrir un lieu d'accueil pour les 16-25 ans. Et aussi les prévus des actions en faveur de la parentalité, mais tout ça, ce sont des projets pour 2022. Enfin, en avril, à partir d'avril 2021, il y a une intervenante sociale qui intervient sur le territoire de la commune pour recevoir les personnes victimes de violences. Il était prévu des formations, mais le Covid a tout décalé. Donc, l'objectif en 2022, c'est d'essayer d'améliorer le lien social entre les hommes, les femmes et tout le monde. Voilà, monsieur le maire, pour le rapport. Merci à tous les deux. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de complément sur ce rapport entre l'égalité homme-femme? Madame Alquier, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, m'entends là? Oui. Oui, merci. Bonsoir à tous. C'est un rapport très intéressant. Merci. C'est assez détaillé. Alors, on constate toujours effectivement l'écart de féminisation, parce qu'il y a que, j'ai relevé 15% de femmes dans les chefs de service. Les directions, 61% de femmes en fonction publique, mais que 29% de postes de direction. Bon. Donc, on est comme partout. On est aussi. Alors, on peut penser qu'il y a un peu d'espoir puisqu'on s'aperçoit que l'avancement des grades est à 66%. Par des femmes, donc ça prend du temps, ça prend encore du temps, mais bon, on peut avoir une note d'espoir. Et les écarts de salaire également, 12,3% en moyenne, donc c'est un effort de longue haleine, on va dire. Sur le système des payes, je voulais juste comprendre, c'est que effectivement, le rapport, c'est la loi qui impose ce rapport, et on n'a pas forcément des outils en ligne avec ce que nous demande la loi, ou c'est juste pour comprendre? On a les outils pour ce que demande la loi, puisque le rapport c'est pour ça, est dans le cadre de la loi. Par contre, il paraît à l'administration et à nous qu'en fait, la loi ne va pas assez loin. C'est-à-dire que la simple moyenne des revenus ne donne pas finalement la réalité des choses. On n'a pas encore l'outil qui nous permettrait réellement et facilement, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais avec la masse de travail qu'il y a, reprendre chaque fiche de paye, d'enlever les heures supplémentaires, parce qu'à chaque fois, il faut déduire les heures supplémentaires, sinon ça ne permet pas de voir comment on fait, et de le faire de façon précise, c'est-à-dire par chaque service, pour voir si là, il y a un écart de salaire. Parce que même si on peut dire structurellement que demain, il faudrait améliorer les revenus de la petite enfance parce que les femmes, par exemple, sont pas assez payées, c'est un souci, c'est de savoir si dans un service, il y a un écart de salaire. Non, je comprends bien qu'il y a une méthode pour faire ces moyennes, mais ce qui m'étonne, c'est que les logiciels de paye n'aient pas été mis à jour par les cabinets ou les CSTI qui font, enfin, ce qu'on appelait les entreprises numériques. Et voilà, ils sont un peu en retard peut-être alors. Alors, le logiciel de paye... Ou c'est une question de mise en œuvre. Non, voilà. C'est sont un vrai souci de logiciel de paye depuis qu'on est arrivé. C'est un logiciel qui est défaillant. Le prestataire n'est pas au niveau. Le logiciel lui-même n'est pas au niveau d'une comptabilité qui se voudrait moderne aussi, avec beaucoup plus de comptabilité. Là où il y a des évolutions, donc c'est dans les tuyaux pour qu'on puisse enfin le mettre en place. Puisqu'une mairie moderne doit avoir des outils qui le sont aussi. Et aujourd'hui, effectivement, notre logiciel est largement perfectible, et ce n'est pas avec ce prestataire qu'on y arrivera. Ah bon. Donc, okay. D'accord. Et peut-être mon dernier point, c'était pour pointer le phénomène des familles monoparentales, qui effectivement prend de l'ampleur, et du coup à considérer sans doute dans notre politique de logement, puisqu'effectivement on avait déjà eu l'occasion de poser cette question-là, qu'est-ce qu'on fait pour les familles monoparentales, c'est un phénomène qui devient prégnant maintenant. Merci. Merci Madame Elquet. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Oui, on va remercier Madame Charpentier a raison, le gros travail fourni par les services et notamment par Guillaume Agroum pour en très peu de temps produire ce rapport. Important, qui nous rappelle qu'il y a encore du chemin. Après, je rebondis Madame Alquier sur ce que vous évoquiez sur le recrutement. Je rappelle qu'on n'a pas le droit, malheureusement, de faire de la discrimination positive. Quand on a des candidats hommes ou femmes, à un moment,
on essaie de les traiter équitablement. On fait le constat maintenant depuis 2 ans que le rééquilibrage n'est pas forcément l'exercice le plus simple. Pour autant, je vous rassure, on a recruté encore récemment des femmes, donc on y travaille, mais c'est vrai que je ne peux que déplorer comme vous le fait qu'on n'ait pas complètement la parité au niveau des chefs de service notamment. Donc voilà, on se revoit l'année prochaine pour voir si on a progressé en la matière. Alors je ne sais plus s'il faut que nous votions, si simplement nous devons prendre acte de la présentation de ce rapport. Je pense qu'on prend acte, c'est ça? Donc on prend acte. Et on va passer à la deuxième point de l'ordre du jour, qui est la présentation du rapport d'orientation budgétaire, donc et du débat qui va avec. Je vais tout de suite céder la parole à Louis-Marie Soleil, puisqu'en fait on fait du 2 en 1, qu'il y a un petit budget annexe de stationnement qui a aussi droit à son robe. Monsieur Soleil, je vous laisse ouvrir le bal. Merci Monsieur le Maire et bonsoir à tous, chers collègues, chers amis. Je vais vous parler du budget d'emplacement de stationnement. Je rappelle, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'ailleurs, que c'est un budget annexe parce qu'il n'a pas le même objectif que le budget principal. Il rend compte d'une activité économique et commerciale et donc il est en plus assujetti à une instruction comptable distincte de celle du budget principal de la ville. Pour pouvoir suivre ce que je vais vous dire, je vous recommande de vous rendre dans la pièce jointe numéro 3. Et à la dernière page de cette pièce jointe, vous aurez la prévision de compte administratif 2021 pour le budget. Et cette prévision est très éclairante. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour vous y rendre. Et puis, je vais vous proposer une analyse de ce compte administratif 2021. Donc, en fait, nous avons hérité de cette activité. Je rappelle aussi qu'il s'agit de gérer les parkings en ouvrage qui sont celui du silo, donc place du marché, celui de la piscine, celui du Bel Air, celui de la rue des Sports, le parking Schweitzer et, bien que ce soit un cas un peu particulier, celui du village des enfants. Bon, nous avons consenti beaucoup d'investissements pour aménager ces parkings et force est de constater que la clientèle n'est pas au rendez-vous. Je vais faire un petit effort. Force est de constater que la clientèle n'est pas au rendez-vous des attentes de ces parkings. Alors en particulier, si vous regardez la section d'exploitation, vous constatez qu'en 2021, on a 135 000 euros de recettes et en face, on a 195 000 euros de dépenses courantes qui sont les charges locatives, les charges de personnel et le remboursement et l'emprunt de la dette. Pas le remboursement du capital, mais l'emprunt. Donc, on a déjà structurellement 60 000 euros de déficit par an. Cette année, et puis on a aussi le déficit annuel de fonctionnement qu'on est obligé de reporter d'une année sur l'autre. Donc, ce qui, cette année, par exemple, pèse 247 000 euros, c'est-à-dire quand on a commencé l'année, on était déjà à moins 247 000 en fonctionnement. Alors, moins 247 000, moins 60 000, parce qu'on est déséquilibré structurellement, ça commence à alourdir beaucoup les choses. Cette année, on a une bonne surprise parce que le ministère des Comptes publics nous a octroyé une subvention d'aide à combler le déficit lié au Covid de 114 000 euros. Donc, on a un petit peu amélioré les choses pour l'exercice 2021. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. On avait tenté de mettre en place une petite commission plurigroupe, là, enfin à cheval sur nos 3 groupes politiques pour essayer de trouver des idées. On a été tous un petit peu négligents parce qu'on a repoussé ça à d'autres dates. Je crois qu'il est temps de s'y remettre et puis d'essayer de trouver des solutions. Alors, on étudie des solutions, on peut étudier des solutions un peu massives, on n'en a pas encore trouvé, ou des solutions au coup par coup. Enfin, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on se repenche là-dessus parce que sinon, ce qui nous pend au nez, c'est d'aggraver ce déficit et d'avoir un cumul au bout d'un moment qui sera important, ce qui en soi n'est pas dramatique, mais ce qui n'est pas très satisfaisant sur le plan de l'orthodoxie budgétaire dans une commune. Merci Monsieur Soleil. Est-ce que sur cette partie, il y a des souhaits d'intervention? Je passe la parole à Madame Alquier, puis à Monsieur Gors. Madame Alquier. Oui, merci. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans qu'on constate
ce déficit. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi? Est-ce que vous avez interrogé, est-ce qu'ils sont mal adaptés? Est-ce qu'ils sont loin des habitations? Parce que jusqu'à présent, il y avait toujours un problème de manque de parking, c'était de notoriété publique. Et aujourd'hui, on se demande. Alors peut-être que c'est une question aussi d'offre par rapport à ce qui se fait sur la voirie. Enfin voilà, est-ce qu'on a analysé un petit peu les raisons? Et puis je me souviens que l'année dernière, on avait déjà eu cette discussion et qu'on s'était dit effectivement qu'on travaillerait ensemble sur le sujet. Donc voilà, on est toujours disponible pour le faire. Avant peut-être de demander à Madame Majou si elle veut compléter, je dirais une chose qui me paraît intéressante, qui me paraît importante, c'est qu'on constate le même problème sur les parkings en ouvrage privé. Je prends par exemple l'exemple du parking de la rue de Glatigny, où il y a 200 places de parking qui sont louées 70 euros par mois, donc un tarif qui est effectivement élevé, mais qui est quand même accessible. Sur ces 200 places, il y en a 50 qui sont occupées, les 150 autres sont libres. Et on constate que les gens n'ont pas l'habitude et probablement n'éprouvent pas de confort à payer 50, 60, 70 euros pour aller mettre leur voiture dans un sous-sol alors qu'ils peuvent essayer de le garer de façon plus ou moins académique dans la rue. Je crois qu'il y a vraiment un problème d'habitude. Alors notre travail en groupe, ça sera probablement d'essayer de voir comment on peut inciter les gens à faire peut-être quelques pas supplémentaires, à changer quelques habitudes. Et à aller dans. Mais enfin, ça sera toujours plus cher qu'un parking en surface dans la rue. Hein. Je ne sais pas si Mme Majou veut ajouter quelque chose. Alors, moi, je me permets de rajouter quelque chose. En tout cas, ça répond à la question du besoin ou pas de parking en ouvrage supplémentaire. La réponse est évidemment non. Et ça permet de tordre le cou à des choses qu'on a entendues pendant de longues années. Il faut. Et des demandes, d'ailleurs, d'un certain nombre d'administrés réclamant la création de parking en ouvrage qui coûte une fortune. La réalité aujourd'hui, public ou privé, c'est que ces parkings sont très peu occupés. On est sur des taux d'occupation de 50% ou moins. Après, on va se concentrer sur nos sujets. Nos parkings publics, ils sont placés là où ils sont placés. Hein. Là, on n'a pas prévu de les déplacer. Ils ne sont pas tous en périphérie de la ville. Le parking du Bel Air est un petit peu excentré, mais voilà, les autres parkings, et je repense au parking des Silos, difficile de faire plus en cœur de ville. Je vous réinvite, là aussi, il faut tenter l'aventure, parce que c'est vrai que ce n'est pas un parking dans lequel on va spontanément, parce qu'on a l'impression de rentrer dans une copropriété privée. Mais c'est un parking qui est très confortable. Il y a toujours de la place, et je pense notamment pour la desserte du marché. Voilà, donc j'ai pas de réponse immédiate, mais en tout cas sur ce parking qui est le navire amiral, hein, c'est notre plus gros parking en ouvrage. Voilà, on voudrait en créer un, on le mettrait là. Voilà, peut-être qu'on aménagerait un peu différemment l'entrée, mais il est globalement bien placé. Il a été intégralement refait suite à l'incendie. Donc en termes d'ambiance, de sécurité, honnêtement, rien à envier à des parkings privés. Voilà, donc j'ai pas forcément les éléments de réponse. Je pense qu'il faudra aborder les sujets dans l'ordre. Le parking de la rue des Sports relève d'une autre logique. On verra si effectivement avec l'activité du club de tennis on retrouve un peu d'occupation. Le parking de la rue Potier est un parking qui vieillit mais qui tourne, qui a une autre fonction. Parking du Bel Air, on est sur autre chose. Je pense que la réponse elle viendra peut-être à un moment de la capacité qu'on aura à louer en longue durée à un certain nombre d'utilisateurs ce parking qui est là aussi très sécurisé, très bien éclairé, agréable, etc. Qui était, on va le dire gentiment, squatté tant qu'il n'était pas en accès contrôlé. Hein, on savait trouver l'entrée quand il n'était pas payant. Il ne coûte pas très cher, mais c'est vrai que depuis qu'on a mis les barrières, son taux d'occupation avoisine les 2 à 3%. Voilà, donc là, on va sans doute lui trouver de l'occupation pendant les 6 mois qui viennent, puisque pour ceux qui ne l'ont pas en tête, la résidence Berlioz, qui est la résidence qui est à l'entrée du site des Chênes d'Or, va voir une réhausse avec une vingtaine de constructions en logement en bois, donc un chantier, et donc la base vie va permettre d'occuper et donc de rentabiliser un peu ce parking dans les 6 mois qui viennent. Voilà, donc évidemment, on est toujours preneur d'un temps d'échange, de plusieurs temps d'échange, si vous avez des pistes, et je passe tout de suite la parole à M. Gore sur le sujet. Merci. Vous m'entendez ? Micro marche ? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Sur ce sujet, je ne vais pas m'étendre. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, ouverts à toute discussion sur le sujet, sans exclure aucune solution qui pourrait s'avérer intéressante, si je puis dire, pour redresser la situation. Je pense que l'impératif, on le partage tous, c'est de redresser la situation, de faire en sorte que ces pertes ne cessent. Et donc voilà, nous sommes, pour ce qui nous concerne, ouverts à tout ce qu'il faudra faire pour revenir à quelque chose de normal, entre guillemets.
Je vous remercie et je le redis, il n'y a aucun tabou, notamment sur les tarifs, hein, les grilles tarifaires qu'on a imaginées. Voilà, tout est revisitable. Le sujet à la fin, c'est effectivement de regarder ce qui est rentré en vrai dans les caisses et si ces parkings, comme l'a rappelé M. Soleil, sur lequel il y a quand même eu un certain nombre de centaines de milliers d'euros d'investis, voilà, trouvent leur utilité. Pour ce qui nous concerne, nous n'aurons aucun tabou. Je n'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sur cette... Oui, Madame Alquier. Parce qu'il y avait un emprunt, je ne sais pas quand il s'est arrêté. On a encore un emprunt, on avait un emprunt de 900 000 euros, quelque chose comme ça. Il y a en fait deux lignes d'emprunt distinctes, mais bon, c'est une nuance. Hein. On en est aujourd'hui, je vais vous dire ça, Madame Alquier. Il nous reste un capital restant dû de 645 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Et on rembourse 52 000 euros par an. Donc, on a une durée de dette. La dette s'éteindra dans 12 ans à peu près. D'accord. 2034, c'est ça. Et on a 8 500 euros d'intérêt par an. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer sur le budget principal. Alors, comme je n'ai pas de rétroviseur, voilà, donc vous avez à l'écran donc le support PowerPoint qui permet à ceux qui nous écoutent d'avoir une vision synthétique et vous avez évidemment sur vos tablettes la partie plus détaillée que je vais parcourir avec vous. Redire cet exercice, ça n'est pas la présentation du budget, hein, c'est un débat d'orientation budgétaire, donc ça fixe des cadres. Vous aurez tout à l'heure une présentation d'un certain nombre d'éléments exogènes qu'on vous doit, qu'on partage, avec malheureusement plus de menaces que d'opportunités, mais c'est comme ça. Après, et c'est tout à fait naturel, la majorité vous doit aussi un rappel sur les orientations politiques. Hein. Nous avons été élus sur un programme, donc on va vous le rappeler, et puis vous indiquer ce qu'on a fait, ce qu'on compte faire, et évidemment après ouvrir le débat sur les propositions ou pas que vous auriez à formuler sur des inflexions ou sur des changements de cap radicaux sur un certain nombre de sujets. Et donc évidemment, l'exercice du vote budgétaire interviendra dans quelques semaines. Donc le projet politique était articulé, toujours articulé autour de quatre grandes thématiques, hein, la qualité de vie sociale et les liens humains, la parole redonnée aux citoyens, la concrétisation de la transition écologique et l'intégration réussie des deux communes historiques du Chesnay et de Roquencourt. C'était dans notre programme de campagne et c'est assez naturel qu'on l'ait retenu et qu'on l'ait décliné en projet politique. Au-delà des mots, il y a quelques réalités. Je vais revenir sur la qualité de la vie sociale et les liens humains en rappelant que ce qu'on présente est une combinaison. Et c'est normal, Louis-Marie Soleil l'avait rappelé quand on est arrivé en 2020, d'un certain nombre de projets qui étaient lancés, des projets qui étaient étudiés mais pas lancés, mais qui étaient des projets de qualité, on y reviendra tout à l'heure, et puis des projets qu'on a apportés dans la campagne et qu'on espère pouvoir mettre en œuvre d'ici la fin de la mandature. Mais il y a une espèce de devoir de continuité, donc on a arrêté quelques opérations qui nous paraissaient malheureuses, mais pour le reste, on en a réveillé qui dormaient et on en instruit. Qui sont de qualité. Donc dans cette rubrique qualité de la vie sociale et des liens humains, l'accueil des arrivants, des nouveaux arrivants dans notre commune, c'est un sujet, on va le dire, qui est un sujet en stand-by parce que la crise Covid ne nous a pas permis pour l'instant de faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc on espère qu'on va se débarrasser des innombrables variants de cette épidémie de Covid et qu'on va pouvoir accueillir en vrai convenablement les nouveaux arrivants, mais il y a une vraie attente de ce côté-là. L'installation d'un nouveau gymnase connecté en libre service en centre-ville, c'est un projet que nous continuons à travailler et que nous espérons pouvoir réaliser dans la deuxième partie de la mandature. La rénovation complète de la résidence autonomie des Chênes Verts, donc je ne reviens pas sur cette séquence, on en a déjà parlé, mais c'est un chantier qui a fait l'objet d'un revirement et donc sur lequel, pour plein de raisons, on souhaite pouvoir... on l'espère d'ici la fin de la mandature sortir de terre une nouvelle résidence autonomie et ensuite finaliser l'ensemble de la rénovation de cet îlot. La rénovation de l'EHPAD des Chênes d'Or. Pour répondre à une demande qui évolue, nous étudierons aussi l'extension de nos capacités d'accueil des personnes âgées dépendantes en fonction des opportunités foncières. Nous allons créer et ouvrir deux résidences sociales. Là, nous sommes sur des projets qui étaient portés lors de la précédente mandature, qui ont été un petit peu ralentis pendant le Covid, mais les travaux se finalisent pour la première d'entre elles. Si vous passez de temps en temps rue de la de Tassigny, on approche de la livraison de ces résidences qui seront opérationnelles à l'été. Et vous avez vu façon cristaux l'emballage de l'ancien local d'Ifri rue de Versailles, puisqu'il y a un peu de désamiantage, qui sera le deuxième bâtiment donc de 30 logements dédié à ces besoins
locaux et urgents de logements temporaires. Nous avons réalisé l'analyse des besoins sociaux de la commune, un gros travail depuis maintenant plus d'un an, je crois, et qui se termine avec un joli travail et côté mairie et côté CCS. Nous étions au conseil d'administration du CCS tout à l'heure et c'est un très bel exercice. Donc on est en train de finaliser pour concrétiser un certain nombre d'actions dès cette année. Nous avons toujours l'ambition de rendre progressivement notre ville inclusive aux personnes à mobilité réduite en matière d'accès aux bâtiments communaux comme en matière de mobilité. Nous allons poursuivre la mise en place des mesures nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des biens des personnes, mais dans un cadre clairement intercommunal. Et là aussi, je veux repartager, nous avons hérité d'un équipement de très bonne qualité, mais qui était un équipement en solo, pas intégré dans la communauté d'agglomération. Voilà, donc il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Hein, les gens qu'on surveille, les gens qui troublent l'ordre public se moquent pas mal des frontières de nos communes. Et nous arrivons à une période où il faut régénérer un certain nombre d'équipements, et donc le choix politique clairement est celui de la réintégration au sein de VGP de nos équipements, qui sont clairement, on va se dire, sans doute les plus en pointe de la communauté d'agglomération, et de les partager avec ce qu'on appelle le secteur nord VGP, donc les communes de Bougival, de La Salle-Saint-Cloud, de Bailly-Noisy, pour disposer sur le territoire de la commune d'un CSU Nord, voilà, et de bénéficier de l'appui et des financements de Versailles Grand Parc pour compléter des équipements de bonne qualité, mais qui ne sont pas complets, et nous avons notamment des entrées de ville qui sont aujourd'hui encore non surveillées, je pense notamment au secteur Charles de Gaulle, où à la fois pour des besoins de sécurité et des besoins de mobilité, nous avons nécessité de renforcer le maillage de notre territoire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie vidéosurveillance. Nous avons pour ambition d'apporter une vue d'ensemble et une cohérence aux différents projets de rénovation et de modification de leur patrimoine émanant de propriétaires fonciers privés dans le quartier de l'Hôtel de Ville, en vue de la transformation progressive de l'existant dans un quartier cœur de ville harmonieux, agréable, dynamique et accueillant pour tous. On en avait parlé pendant la campagne. C'est un sujet que nous allons lancer cette année pour éclairer l'équipe qui sera en charge de la commune lors de la prochaine mandature. Ça, c'est vraiment du travail de prospective, comme nous l'avons fait sur l'INRIA en début de mandature. Il est important de temps en temps de consacrer du temps et un peu d'argent pour avoir des visions prospectives et permettre de guider l'action publique. Et donc, nous allons faire sur le cœur de ville en gardant en tête, je le redis, que quoi qu'il advienne, et vous êtes ici dans une partie des bâtiments que j'évoque, nous avons des bâtiments publics qu'il va falloir rénover en profondeur parce qu'ils ont 40, 50, 60 ans, je pense au gymnase qui est à côté. Voilà, donc soit on rénove à l'identique, soit on réfléchit à la recomposition de ce secteur. Et voilà, et la question de cœur de ville est posée, nous allons essayer d'apporter une réponse intelligente. L'amélioration de certaines installations sportives avec la mise aux normes de ces installations pour les PMR et la rénovation de vestiaires, et je pense notamment au clubhouse du gymnase Corneille qui était très attendu par les utilisateurs de ce site. La modification du plan local d'urbanisme en vue d'accroître le taux de réalisation de logements sociaux, mais en évitant toute concentration et en favorisant une mixité sociale bien comprise. Et puis la réunion des écoles Hélène Boucher et Maryse Bastier en un seul nouvel établissement dans une démarche de mutualisation suggérée par l'éducation nationale. Concernant la parole redonnée aux citoyens, ça passe par, depuis notre élection, la retransmission en direct audio-vidéo des séances du conseil municipal et nous savons que ces séances sont vues et revues et qu'elles permettent d'augmenter très sensiblement l'impact des échanges que nous avons au sein de ce conseil. La mise en place des conseils de quartier, très critiquée et pourtant je crois très efficace, en tout cas il me semble que toutes les séances que nous vivons témoignent de l'intérêt que les gens qui y participent et même d'ailleurs que ceux qui ne devraient pas y participer nous interpelle, et on en reparlera dans les questions diverses, mais je crois que c'était une vraie réussite, pas toujours simple à gérer, mais ça témoigne de notre volonté de donner la parole, de concerter, contrairement à ce qui peut être dit ou écrit de ci, de là, et d'ajuster un certain nombre des projets que nous voulons porter. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes, que nous avons installé malgré la pandémie, qui s'est mis à travailler, et j'ai été les saluer la semaine dernière, et donc on a une vraie fraîcheur, une vraie envie de s'impliquer dans la vie. Okay. Dans la vie communale, et donc nous conviendrons des modalités de partage des travaux que ce conseil municipal des jeunes fait avec le conseil municipal des adultes dans les mois qui viennent.
une offre de conférences-échanges dédiées aux familles sur des sujets de préoccupation quotidien, éducation, addiction, utilisation du numérique, et le développement de l'application Le Chêne Héros Concours et moi. Concernant la transition écologique, notre commune doit maintenant s'engager vigoureusement dans une logique écologique correspondant à l'époque où nous vivons, répondant aux préoccupations largement partagées par les populations, en particulier par les nouvelles générations d'actifs, et s'inscrire dans l'effort national pour un développement durable. À l'échelle de notre territoire et dans les limites des responsabilités qui nous sont confiées, nous sommes en train de réaliser un schéma directeur d'énergie communale, point de départ nécessaire à la mise en œuvre d'une politique écologique cohérente et pragmatique. Nous allons réaliser la rénovation de l'école Langevin, et au-delà de l'équipement scolaire de qualité que nous espérons récupérer, il y a l'objectif de réaliser un nouvel établissement scolaire durable, en matière d'énergie notamment et d'isolation. La rénovation de la piscine, qui aurait dû être faite depuis longtemps, et que nous allons faire sur cette mandature, et dont la conception ancienne exige une mise à niveau tant sur la couverture que sur son isolation, que sur les systèmes de traitement d'air, traitement d'eau, les systèmes insuffisamment performants et énergivores, ou sur l'étanchéité des bassins et des goulottes à l'origine de gaspillage d'eau. La mise en œuvre d'un schéma directeur de mobilité urbaine, mais je pense que nous en avons déjà beaucoup parlé et nous en reparlerons tout à l'heure, mais qui est évidemment emblématique de cette thématique. La rénovation progressive du réseau d'éclairage public municipal, qui date d'une vingtaine d'années, pour améliorer sa fiabilité, son efficacité et son bilan énergétique. Un travail méthodique sur la réduction des consommations d'énergie au sein de nos bâtiments communaux, suivi des consommations des fluides, eau, gaz, électricité et objectifs de réduction annuelle. L'enfouissement progressif des réseaux aériens par tranche annuelle, qui avait été abandonné pendant de trop longues années, et que nous avons réactivé. La restauration des chaussées en surface et en subsurface. Le réseau communal vieilli, les réseaux communaux, les chaussées, l'eau potable, l'eau usée. Et la maintenance et la remise à niveau n'ont pas été systématiques. Il y a donc évidemment un travail de rattrapage qui s'impose et que vous pouvez voir depuis le début de notre mandature. L'isolation thermique des bâtiments municipaux, conçue pour la plupart au début des années 70, et la préservation et la mise en valeur d'espaces verts communaux. On parle de projets d'éco-pâturage, d'agriculture urbaine, d'aménagement de parcs et de plaines de jeux, à la fois sur le périmètre communal et puis sur des emprises, et je pense à l'arboretum de Chaveloup, où il y a clairement du potentiel, et où nous passons déjà beaucoup de temps pour discuter avec un acteur qui n'est pas toujours facile à saisir, puisque je rappelle que l'arboretum de Chèvreloup est rattaché au Muséum d'Histoire Naturelle, lui-même sous tutelle du ministère de la Culture. Autant vous dire que trouver des interlocuteurs disponibles pour parler d'agriculture urbaine n'est pas forcément toujours l'exercice le plus simple. Et pourtant, on est dans le très concret. Le très concret de la transition écologique, le très concret du circuit court. Il y a la place, il y a des acteurs. Et j'ai peur qu'on passe encore quelques mois, années, avant de trouver le début de quelque chose qui permet d'eux. Donc, je partage ce sujet avec vous parce que toutes les communes n'ont pas la chance d'avoir un espace comme l'arboretum à proximité. Et l'arboretum a des friches et donc il y a des choses à faire et j'espère qu'on pourra partager avec vous des victoires. Je ne sais pas si elles seront rapides, mais des victoires. Enfin, l'intégration réussie des deux communes historiques. La fusion administrative, vous le savez, a eu lieu le 1er janvier 2019. Mais l'intégration effective, pratique, administrative et humaine va nécessiter quelques temps, même si je considère que sur la partie du personnel communal, le gros du travail est fait et plutôt bien fait. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire et je rappelle que nous finalisons aujourd'hui l'aménagement du quartier du Bourg, fin de chantier qui était complètement à l'arrêt, comme nous avons pris les rênes de la commune. Et même si le temps s'écoule parfois un peu lentement, mais les travaux ont démarré en vrai et donc dans le courant de l'année 2023, nous aurons enfin la livraison du supermarché, de l'hôtel et des commerces qui sont attendus depuis 2016 par les habitants de ce quartier de notre commune. Nous avons procédé à la fin des travaux, à la reprise de nombreuses malfaçons, en essayant de préserver les intérêts de la commune. Nous finalisons également la réalisation d'une salle culturelle polyvalente dans ce quartier. Et je crois que nous devons ça aux habitants qui sont les nouveaux habitants de notre ville. Je rappelle que ce quartier est le quartier qui accueille les nouvelles familles en ce moment. Nous réalisons des études d'urbanisme en vue d'intégrer davantage ce quartier dans la commune. Des projets de nouveaux logements et des activités sont également étudiés. Nous allons travailler, je l'espère cette année, sur un service de navette électrique pour mieux relier ce quartier en complément de l'offre de transport public, et notamment pour permettre aux personnes âgées et dépendantes de se mouvoir plus rapidement à l'intérieur de notre commune. La rénovation du théâtre André Malraux est également à l'étude. Et notre ambition, c'est qu'effectivement, dans quelques années,
on est presque oublié qu'il y avait deux communes et qu'on se déplace très naturellement, comme je l'ai fait tout à l'heure en allant au conseil d'administration du CCS. Je n'avais pas l'impression d'aller sur l'ancienne commune de Rocancourt, mais bien dans un quartier de la ville. Voilà. Et j'espère que petit à petit, on se dira de moins en moins qu'on était dans l'ancienne commune de Rocancourt, dans l'ancienne commune du Chesnay. Ce sera la sanction réussie de l'intégration et de la fusion de ces communes. Voilà pour le projet politique, mais je crois qu'il était nécessaire de le rappeler. Pour l'année 2022, cette année s'inscrit dans une conjoncture détaillée pour une bonne part dans les documents joints, mais parfois un peu aride. Je vais revenir sur quelques éléments. Nous ne sommes malheureusement pas complètement sortis de la pandémie et donc nous savons ce qu'elle nous a coûté sur les deux années passées. Donc il est évidemment normal et nécessaire que nous soyons prudents et que nous réservions des moyens pour adapter les réponses sanitaires, organisationnelles que nous aurons à gérer tout au long de l'année 2022. J'espère qu'elles seront les plus réduites possibles. La pénalité dite SRU sur la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dont vous savez qu'elle se monte à 1,7 million d'euros par an, en brut. Il faut déduire de ce montant un certain nombre de subventions que la ville alloue pour des projets de logements sociaux et qui viennent en déduction. Mais pour 2022, le montant net restera quand même d'1,2 million d'euros, c'est-à-dire une somme assez conséquente. Je ne reviens pas sur la situation que nous avons trouvée en termes de logements sociaux, mais je rappelle simplement que cette pénalité, elle est modulable et que le préfet apprécie les efforts que nous ferons ou que nous ne ferons pas pour rattraper ce retard. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de faire démonstration à la fin de cette année, à la fin de la triennale 2020-2022, que nous avons fait nos meilleurs efforts. Et vous verrez, quand nous présenterons et nous partagerons évidemment le conseil, que nous n'avons quasiment rien laissé passer en termes d'opportunités. Bien évidemment, nous n'allons pas sortir de terre les 487 logements sociaux qu'il faudrait pour être dans les clous. Mais vous verrez que nous n'avons rien laissé passer. Voilà. Vous verrez aussi que la gestation de ces projets de logements sociaux est parfois longue, très très longue, et que l'État n'est pas exemplaire. Et nous saurons aussi le rappeler à nos interlocuteurs de la préfecture au moment de ce bilan. Mais la réalité financière, elle est là. Le 1,2 million sera à verser dès cette année. La diminution progressive de la dotation globale de fonctionnement, les 3 ans de grâce liés à la fusion des communes sont terminés. Nous rentrons dans le droit commun et donc nous aurons à gérer, comme beaucoup de communes, la baisse progressive de cette DGF avec une estimation comprise entre 180 et 200 kg par an dès cette année. Le renchérissement du coût des énergies. Vous avez, je pense, suivi l'actualité et l'estimation sur laquelle nous nous basons pour préparer ce budget indique que nous aurons une augmentation de 35% du coût de l'énergie. On n'est pas dans l'épaisseur du trait. En euros sonnant et trébuchant, ce sont 600 000 euros à sortir cette année en plus. Ça ne fait que renforcer la nécessité d'investir dans les économies d'énergie, mais voilà, on a un véritable choc à gérer dès cette année. La nécessité de poursuivre la mise à niveau des effectifs et des emplois communaux. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des appréciations différentes. En tout cas, c'est le diagnostic que nous avons fait en arrivant et le rattrapage reste encore à compléter. Un certain nombre de services étaient en sous-effectif notoire et nous l'avons mesuré de manière cruelle pendant l'année qui vient de s'écouler. Une année extrêmement compliquée liée au Covid et où beaucoup d'agents se sont épuisés. Et quand je parle d'épuisement, ça se traduit en arrêt maladie, ça se traduit en burn-out, ça se traduit en démission. On n'est pas juste dans l'appréciation. Et à l'heure où je vous parle, on a encore des agents qui sont dans cette situation. Donc, voilà, cette réalité, en tant que maire, je ne peux pas m'y soustraire. Je suis aussi le patron de l'ensemble de ces agents. Et donc, nous considérons qu'il y a encore à faire en matière de rattrapage, et pas simplement pour du confort. Je dirais... voilà, si je mettais ma casquette de méchant patron, par simple souci d'efficacité. Si on veut que les services délivrent ce qu'on attend d'eux, il faut leur donner les moyens de travailler. Il y a beaucoup de nos services qui n'ont pas les moyens de travailler aussi efficacement que nous le souhaiterions. Voilà. Et donc l'idée n'est pas d'épuiser les équipes qui sont là, qui font preuve de la meilleure volonté, mais de leur donner les moyens de travailler. Et donc ça se traduira à un moment dans des orientations budgétaires sur lesquelles je serais ravi qu'on puisse échanger. Et donc, si je vais au bout, et on a parlé tout à l'heure lors de la présentation du budget du CCS, Brigitte Fauvel a eu l'occasion
de prendre la parole sur le sujet. Nous avons fait des choix extrêmement forts, mais les choix que nous faisons au CCAS, à un moment, ils impactent le budget de la commune puisqu'il y a une subvention d'équilibre. Et nous vous proposerons d'allouer, si les chiffres prévisionnels que nous avons communiqués se confirment, une enveloppe qui augmentera de près de 250 000 euros pour notamment permettre de staffer les équipes du CCAS. Et pas besoin de vous dire que s'il y a bien un service qui a été extrêmement éprouvé d'un point de vue ressources humaines cette année, c'est le CCAS. Et à l'heure où je vous parle, on est loin d'avoir retrouvé une situation nominale. L'idée, c'est de retrouver une situation nominale et aussi d'être à la hauteur des défis que nous avons vis-à-vis de nos seniors. Et donc, il y a un certain nombre de choses que nous voulons mettre en place en vrai. Voilà. Et donc, derrière, des lignes budgétaires, c'est du fonctionnement, j'en suis conscient, mais voilà, on est dans le service à la personne et je ne sais pas faire autrement qu'en investissant dans la ressource humaine. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur la partie effectif et sur le soutien au CCAS. Concernant le programme des investissements, il est évidemment important, autant par la nécessité de remise à niveau du patrimoine, j'en ai parlé tout à l'heure, et il y a malheureusement beaucoup à faire au sol, dans les airs et sous nos pieds, que par ambition politique. Et évidemment, ce programme d'investissement doit être optimisé, et il le sera notamment par la recherche de subventions, sur lequel nous avons assurément à progresser, et donc nous sommes en train de nous structurer pour être plus efficaces, plus rigoureux. Je parle voilà, de l'administration, mais aussi des élus. Il y a des règles à respecter, et voilà, on va porter nos efforts pour permettre d'optimiser la recherche de subventions, car il y en a. En tout cas, sur les projets que nous portons, il y en a. Dans les éléments décor, nous avons enfin la mise en conformité de notre organisation, d'une part, et de nos installations, en face de nouvelles exigences légales, pense au décret tertiaire pour les bâtiments, à la mise en place de la protection sociale complémentaire pour les agents, on débattra tout à l'heure, un certain nombre d'items relatifs à la mise en accessibilité, donc un certain nombre d'éléments de décor juridique vont nous amener à devoir, là aussi, dépenser sans doute plus d'argent. Le niveau d'endettement de la commune, qui n'a pas fait d'investissement majeur depuis une dizaine d'années, est relativement bas. La dette se monte aujourd'hui à 19,6 millions d'euros. Ce niveau d'endettement représente un gisement de financement naturel, pas dire qu'on va... On va souffrir des emprunts à tour de bras, mais à l'heure où nous nous parlons, les conditions d'accès au crédit sont encore favorables. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on partage avec vous sur les outils à mobiliser pour financer l'investissement. Donc, si on revient pour l'année 2022, en fonctionnement, nous allons préparer notre budget en poursuivant donc l'accompagnement de la pandémie. Et je ne reviens pas sur tout ce que nous avons fait en 2021. Vous avez vu, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité sanitaire, que nous avons cofinancé une unité de test PCR qui sera opérationnelle jusqu'au 23 avril 2022. J'espère que nous n'aurons pas réactivé de centre de vaccination, mais tout est possible et nous serons évidemment en appui des autorités compétentes, l'ARS et la préfecture en la matière, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que cette pandémie s'arrête au plus vite. Nous poursuivrons également les actions en matière d'écoute et d'accompagnement des personnes fragilisées par la crise. Violaine Charpentier parlait tout à l'heure du dispositif IS+, que nous allons renforcer, l'écoute spécifique au FJT, l'accompagnement par des psychologues dans les établissements scolaires, car dans les conséquences de cette crise sanitaire, les impacts psychologiques, je pense, sont encore très, très largement sous-estimés. Et nous ne sommes pas complètement sortis de cette séquençage. Je pense qu'il y aura une post-crise avec des conséquences sur lesquelles il faudra que nous consacrions des moyens. La deuxième priorité est d'assurer évidemment l'équilibre du budget fonctionnement. Vous me direz que c'est naturel, nous n'avons guère le choix. Et dans la mesure de possible, de préserver notre capacité d'autofinancement. Si on fait les rapides additions, le budget de fonctionnement va en 2022 et durablement être surchargé par 2 millions d'euros de dépenses supplémentaires par rapport aux années précédentes. Nous ne pouvons pas, en tout cas, vu notre fenêtre, éviter. Et à ce montant viennent se rajouter 500 000 euros d'accroissement de la masse salariale, justifié à nos yeux par la nécessité de remettre en adéquation les effectifs et la charge de travail, et environ 250 000 euros d'aide supplémentaire pour permettre au CCAS de renforcer son action. Ça fait 2,7 millions d'euros à absorber. Pour absorber ces 2,7 millions d'euros, il y a quelques leviers, mais je crois que vous les connaissez, je me permets de vous les rappeler. La réduction des dépenses par des gains de productivité. Nous sommes évidemment ouverts à toute proposition, mais nous rappellerons que
Il y a une certaine inertie dans le système. Hein. Je prends un exemple, fermer un équipement sportif ou une crèche, on peut rapidement dire ça économise sur le papier de temps. La réalité, c'est que les personnels, vous les avez, c'est que les équipements, vous les avez, etc. Et donc, les annonces, parfois un peu faciles en matière de réduction de coûts, sont à contrebalancer à l'aune de la réalité. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de piste de productivité, mais j'invite à la prudence pour celles et ceux qui seraient tentés de nous faire des propositions séduisantes sur le papier et peu réalistes dans les faits. Nous avons la tarification des services publics et nous avons, et je n'ai pas peur d'évoquer le sujet, évidemment la fiscalité locale. Nous avons proposé au Chesnay-Courtois, partie des pistes, mais en tout cas ce n'est pas celle que nous travaillerons. Au contraire, nous essaierons de faire le nécessaire pour maintenir au niveau des attentes actuelles des usagers, les offres d'activités sportives, de spectacles, d'activités culturelles, de soutien aux familles et aux associations, d'activités pour les enfants, les écoliers, les jeunes, la restauration scolaire, la sécurité et la propreté urbaine. Quelques aspects de la vie communale feront plus particulièrement l'objet d'un effort soutenu, notamment celles qui seront à donner suite au diagnostic de territoire, qui a permis d'évaluer les besoins sociaux de la commune et de mettre en évidence des actions nécessaires pour la poursuite ou la remise à niveau de notre environnement informatique et numérique, ainsi que le renforcement de la sûreté. En matière d'investissement, j'articulerai mon propos autour de quatre natures d'investissement. Les premiers, ce sont les investissements nécessaires au maintien en conditions opérationnelles et à la préservation du patrimoine et des équipements. Ils constituent un socle qu'on a coutume de considérer comme relativement incompressible, sauf à s'arrêter d'entretenir nos écoles, nos crèches et nos équipements. Mais il y a une espèce de bruit de fond, tant sur les bâtiments que sur la voirie, la signalisation, sur le numérique. Et je rappelle que la menace est réelle. Des collectivités voisines ont été attaquées encore très récemment et on sait ce qu'il en coûte. Donc nous avons encore à investir dans ce domaine-là. Des investissements autour du magasin, de l'atelier mécanique, des espaces verts, de la propreté urbaine. Nous avons ensuite des investissements correspondant aux travaux annualisés, ceux inscrits dans le PPI ou pas. L'enfouissement des réseaux, la restauration de voiries et des trottoirs, les travaux de modification de l'éclairage public, l'aménagement des circulations douces dans le cadre du SDMU, les travaux découlant du respect des obligations du décret tertiaire, les travaux d'aménagement spécifique annuel. Et vous avez à l'écran l'école de musique, l'aménagement du parvis du CTM. J'insiste sur cette partie-là parce que comme nous sommes arrivés, le CTM était officiellement livré. Il manquait juste les aménagements extérieurs. C'est un petit billet à 1 million d'euros qu'il a fallu étudier à notre arrivée, parce qu'il n'était pas étudié, et que nous allons réaliser, permettant enfin de finaliser l'aménagement dans un site quand même très contraint, très particulier, où il fait faire cohabiter un équipement culturel de grande qualité, des habitations, un foyer de jeunes travailleurs, des locaux sociaux, l'arrière d'un club de sport et un centre technique municipal qui a une activité particulière. Voilà, donc faire cohabiter dans cet espace, dans ce parvis, l'ensemble de ces usages n'est pas un exercice simple. Donc je veux remercier les équipes de la voirie, Simon Bonne et Frédéric Rospini qui a pris le relais pour permettre de passer à la phase travaux pratiques et finaliser la fin des travaux du CTM. Nous avons également les travaux au Chêne Vert. Là, je parle des travaux de l'actuel équipement pour finaliser les travaux qui permettront de tenir les 5 ans avant la livraison d'une nouvelle résidence. Nous avons ensuite les investissements associés au projet dit structurant, inscrits dans le PPI, et donc évidemment au premier rang d'entre eux, l'école Langevin, dont les travaux commenceront à l'été 2023, la rénovation de la piscine, l'édification d'un gymnase connecté, la construction d'une salle culturelle polyvalente dans le quartier du Bourg et la restructuration du bâtiment dit HDV2, absolument épouvantable, c'est-à-dire l'annexe de la rue Potier à l'hôtel de ville, là où sont hébergés un certain nombre de services, dont la DRH, la petite enfance, les sports, et donc il y a besoin d'être retravaillé à l'intérieur, et la rénovation du gymnase Corneille. Voilà pour les grandes familles d'investissement. Les sources de financement, outre le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA et l'autofinancement, sont les subventions, les éventuelles cessions d'actifs et le recours à l'emprunt. Pour les subventions, nous savons pouvoir bénéficier de l'aide du département et de la région, en particulier au travers de programmes d'aide systémique ou ponctuelle,
ainsi que des fonds de concours de Versailles Grand Parc. Je rappelle, mais on en parlera tout à l'heure, que sur les mobilités douces, les subventions sont extrêmement importantes, que ce soit du département ou de la région. Les possibilités d'aide européenne sont explorées. On les a pu utiliser, mais on y travaille avec l'aide de la région notamment. Et les opportunités du plan de relance national en termes d'économie d'énergie et d'informatique seront mises à profit. En termes de cession d'actifs, la seule raisonnablement envisageable en 2022 serait la cession de bâtiments communaux aux 8 rues de l'Étang, qui pourraient céder à un bailleur social. Donc je parle des logements qui sont après le théâtre André Malraux, juste avant le groupe scolaire, et sur lequel nous avons opportunité de réaliser des logements sociaux, mais M. Ribert en reparlera tout à l'heure. En matière de limite du niveau d'endettement admissible, nous proposons de viser un ratio des endettements inférieur à 10 ans, conforme aux règles de l'art en la matière, ce qui revient à dire que la dette serait alors plafonnée à 10 fois notre capacité d'épargne brute annuelle, c'est-à-dire la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. L'élaboration de l'équilibre entre les dépenses d'investissement retenues et les capacités de financement conduiront à la nécessité de faire de choix parmi les projets, et les critères proposés pour établir ces priorités seront en particulier les besoins exprimés par la population, par les usagers, les nécessités de mise en conformité légale, le montant des dépenses nettes associées à chacun des projets, et la disponibilité des ressources nécessaires pour mener à bien ces projets. J'étais un peu long, mais je crois que c'était nécessaire de planter ces éléments de décor et de vous rappeler, puisqu'il n'y a quand même pas non plus de changement spectaculaire par rapport à ce qui a pu vous être dit l'an dernier, mais vous conviendrez que c'est somme toute logique, on n'a pas vocation à changer radicalement de cap. Et je vous cède donc bien volontiers la parole pour ceux qui veulent la prendre et alimenter ce débat d'orientation budgétaire. Monsieur Gorce, vous avez la parole. Merci. Mes chers collègues, nous avons lu avec attention le rapport qui vient de nous être présenté. Sans surprise, nous ne partageons pas vos orientations budgétaires. Nous avons tout d'abord un désaccord sur la méthode. S'il est évidemment nécessaire de prendre en compte les contraintes externes, telles que la pénalité SRU, la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou l'augmentation du coût de l'énergie, nous pensons qu'il faut considérer la plus grande stabilité fiscale possible comme une volonté politique. Autrement dit, il ne faut pas que la fiscalité résulte de l'addition des dépenses, mais à l'inverse, que les dépenses soient ajustées afin d'accroître à minima la pression sur les contribuables de notre ville. La fiscalité ne peut plus être une variable d'ajustement dans un pays champion du monde de l'impôt. Ensuite, vous nous expliquez qu'au sein du triptyque service tarif fiscalité locale, vous ne toucherez pas aux services. Autrement dit, vous confirmez nos craintes sur l'augmentation générale des impôts et des tarifs, comme vous l'avez fait avec la cantine scolaire. Nous considérons que le sujet doit être abordé d'une façon différente. Il faut mettre en place d'urgence un plan de performance, autrement dit, une démarche systématique d'analyse fine des dépenses des différents services, afin d'évaluer les gains à mettre en œuvre sans réduire les services à la population. Par exemple, a-t-on utilisé au mieux les ressources du digital, comme par exemple l'utilisation du BIM dans la gestion des bâtiments municipaux? Chaque ligne de dépense doit être évaluée et interrogée en cohérence avec les choix politiques clarifiés. Par exemple, la première décision de ce conseil municipal de ce soir concerne l'impression d'un guide éco-conception pour 25 000 euros. Si nous ne sommes pas certains que cette dépense soit indispensable, nous sommes sûrs, en revanche, qu'elle n'est pas bonne pour les arbres. Cette démarche devra évidemment prendre en compte l'évolution des effectifs dont le coût devrait augmenter d'environ 500 000 euros cette année. Nous le redisons, et vos explications sur ce sujet ne nous ont pas convaincus, comment se fait-il que la fusion des deux communes n'ait permis aucune économie de ressources, mais qu'au contraire les effectifs ne cessent de croître ? Comment pouvez-vous nous présenter simultanément l'indispensable embauche d'un nouveau jardinier et la minéralisation des ronds-points dont l'objectif serait justement de limiter les coûts d'entretien? Vous ne pouvez pas en même temps accroître les ressources humaines internes et avoir recours désormais systématiquement à des études coûteuses. Nous considérons que l'on ne peut pas faire du « en même temps » sur le dos des contribuables chez les Courtois. Au-delà de la méthode, et vous l'avez compris, nous ne partageons pas vos choix politiques en termes de recettes. Nous proposons, en premier lieu, de limiter la hausse de l'impôt et celle de la tarification des services indispensables aux familles et aux plus fragiles, scolaires, crèches, etc.
Au-delà de l'aspect social élémentaire d'une telle décision, elle est dictée par le bon sens. L'augmentation de la taxe foncière conjuguée à la celle attendue des taux d'intérêt va mécaniquement contraindre l'accession à la propriété et donc limiter le rajeunissement de notre population. En second lieu, privilégier le financement par les usagers pour tous les autres services, donc sport, culture, etc., en particulier s'ils n'habitent pas notre commune, et avoir le courage politique d'interroger sur la pérennité de certaines activités. Vous prônez depuis le début de votre mandat la volonté de donner la parole aux citoyens. Nous vous disons, allons-y vraiment. Alors que les conseils de quartier sont des lieux où il ne se passe quasiment rien et dont nous interrogeons aujourd'hui clairement l'utilité, ne vaudrait-il pas mieux questionner la population sur l'évaluation qu'elle fait des services municipaux, et sur les tarifs qu'elle est prête à payer pour certaines prestations? Prenons le seul exemple de la piscine, déficitaire en année normale d'environ 900 000 euros. Concernant les investissements, nous considérons qu'il faut d'abord privilégier la rénovation des actifs municipaux utiles au plus grand nombre et achever les travaux du bourg. La rénovation énergétique des bâtiments nous paraît ainsi bien plus pertinente qu'un plan de déplacement urbain au coût net bien trop élevé pour une utilité que nous considérons comme faible. Si la réhabilitation de l'école Langevin est effectivement indispensable, elle n'a de sens, comme nous l'avons déjà souligné, que si elle s'accompagne d'une véritable volonté politique d'attirer les familles. Nous attendons donc d'avoir une véritable visibilité sur ce projet coûteux. Nous ne comprenons absolument pas l'intérêt d'un nouveau gymnase, alors que la commune est déjà très riche en équipements sportifs et qu'une véritable réflexion sur le devenir du site Nouvelle-France serait pertinente. S'il s'agit simplement de pouvoir accéder plus facilement au gymnase, une refonte des horaires d'ouverture, notamment pendant les congés scolaires, pourrait facilement être étudiée. La rénovation de la résidence des Chênes Verts était une priorité pour nous. Vous avez fait des choix qui n'étaient pas les nôtres. Malgré vos annonces, nous savons tous que l'insuffisante maîtrise du foncier ne permet pas de parler d'échéance et nos seniors devront se contenter de rafistolage. En conclusion, nous regrettons des choix politiques qui manquent de cohérence et sont décidément clivants pour notre population. En revanche, nous vous proposons une méthode afin d'optimiser les dépenses, car nous considérons que nous sommes redevables aux Chênes-Courtois de chaque euro dépensé. Une augmentation à minima des impôts et des tarifs pour les prestations essentielles, considérant les contraintes budgétaires auxquelles sont déjà soumis nos administrés. Une véritable consultation, enfin, des habitants sur le devenir et la tarification des services dits de loisirs. En bref, nous demandons un cap politique clair et donc une convergence des différentes politiques, sociales, familiales, économiques, dans le but d'attirer les familles, afin de faire vivre et évoluer nos infrastructures, tout en préservant le cadre de vie de nos seniors, qui représente 30% de notre population. Merci. Avant de vous passer la parole, Madame Alquier, je vais quand même répondre à Monsieur Gort, parce que je crois que vous étiez aux affaires lors de la fusion en mars 2019, venir nous expliquer que vous vous étonnez qu'il n'y ait pas eu gain de productivité. Vous aviez un an et demi pour en faire. S'il n'y en a pas eu de fait, c'est que ça devait être un peu compliqué. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir. Et je crois que vous avez passé, et c'est tout à votre honneur, beaucoup de temps à analyser les coûts dans cette collectivité, donc je pense que vous êtes assez au clair sur la réalité des gains de productivité. Moi, je rase pas gratis. Voilà. De la même manière, sur la piscine, souligner que, comme toutes les piscines de France, la nôtre est déficitaire structurellement, non pas de 900, mais de 600 000 euros. Moi, la question que je vous pose, c'est structurel. La question que je vous pose, c'est est-ce que dans les orientations, dans les propositions que vous nous faites, c'est la fermeture de la piscine dont vous parlez? Parce que faudra partager avec la population. Je ne suis pas sûr que, si on leur demande leur avis, les Chênes-Courtois seraient très demandeurs de la fermeture de cet équipement. Voilà. Donc moi, j'entends tout ce que vous dites. Je suis très dubitatif sur votre capacité à nous proposer des gains de productivité qui permettent d'effacer les 2,7 millions d'euros, mais je suis très, très preneur de voir comment vous résolvez cette équation. Et j'entends, je suis attentif au mot que vous avez employé, que vous n'excluez quand même pas l'augmentation des impôts, vous demandez qu'elle soit limitée. Voilà, les mots comptent. Mais voilà, on en est au stade du débat d'orientation. Le sujet, ça va être de boucler un budget. Donc, je serais ravi de voir comment vous bouclez la copie du budget 2022 sur la base de ces pistes que vous nous proposez, mais que je trouve quand même globalement relativement peu crédibles. Madame Alquier.
Oui, merci. Alors, l'année 2021 est la première année complète de votre mandature, certes dans un contexte de réactivation d'épidémie Covid, mais moins sévère quand même que pendant l'année 2020. Donc, c'est une année sans surprise, on va dire. Alors, l'analyse du compte administratif 2021 montre déjà la dérive des finances de la ville, avec notamment une augmentation significative des charges de personnel de près d'1 million d'euros que vous avez expliqué tout à l'heure. Mais c'est bien ce que nous pressentions avec votre propension, mois après mois, à recruter pour nous un peu sans mesure. La fusion du Chesnay et de Roncancourt au 1er janvier 2019 avait justement pour objectif la mise en commun des ressources et la réduction des coûts sur un territoire où la population partageait déjà de nombreux des ressources et de nombreux services ou infrastructures. Elle devait donner l'opportunité de mutualiser et optimiser l'organisation de la ville. Nous avons bien constaté que cela ne correspondait pas à vos orientations et vos décisions. Vous avez déjà annoncé dans la presse l'augmentation des tarifs des services publics et des impôts, et donc vous la justifiez aujourd'hui par l'augmentation des coûts avec la pénalité SRU, l'augmentation des coûts de l'énergie et l'impact des recrutements sur les frais de personnel dont on vient de parler. Cette position tranche d'ailleurs avec ce que vous aviez écrit lors de la présentation du budget 2021, que j'ai relu. Vous aviez alors déclaré que vous alliez faire un effort ciblé, par exemple, sur la qualité des repas en restauration scolaire pour se conformer aux exigences de la loi Egalim, avec un impact réduit au minimum sur la contribution demandée aux familles. Nous avons vu le résultat avec une augmentation inédite de 13,5% sur le coût facturé aux familles. Vous aviez également décidé un accroissement volontaire de la masse salariale pour renforcer certains services, comme les services techniques, pour garantir un taux d'exécution des dépenses d'investissement le plus élevé possible. C'est un principe que je ne partage pas forcément. En clair, cela voulait dire que l'heure était plutôt la dépense sans contrôle et non pas à l'optimisation des moyens dans un contexte de fusion dont c'était l'objectif. Après ce constat de dérive, vous posez ingénument la question « quels sont les leviers possibles ?» et de proposer la réduction par les gains de production, la tarification des services publics et la fiscalité locale. Dans un contexte où de nombreuses familles souffrent et se trouvent déjà fragilisées par cette crise sanitaire, nous ne pouvons qu'être en désaccord avec votre politique et ses conséquences, qui se traduisent par des augmentations des tarifs des services publics et des impôts. Nos remarques sont guidées par une exigence de rigueur et de bonne gestion. Chaque euro compte et il faut revenir à une réflexion sur l'organisation et la recherche d'optimisation. On peut toujours mieux faire, hein. Il faut par exemple travailler sérieusement sur la transition écologique et les sources d'économie d'énergie. D'ailleurs, le décret tertiaire fixe un objectif de réduction de la consommation d'énergie des bâtiments de plus de 1000 m² d'au moins 40% en 2030, c'est demain, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. C'est maintenant qu'il faut trouver des solutions et s'inscrire dans le plan de relance par la transition écologique. Nous vous rappelons à cet égard qu'il y a un an, un appel à manifestation d'intérêt avait été proposé par la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, à Versailles Grand Parc pour identifier et financer des actions d'efficacité énergétique. Dans la liste des 147 projets représentant plus de 300 000 m², la ville de Chesnay-Roncancourt apparaissait tout en bas de la liste avec deux projets pour une surface de 2330 m², alors que notre ville est la plus peuplée après Versailles. Donc visiblement, le travail de réflexion n'a pas été mené et sans doute nous ratons des opportunités. La difficulté d'équilibrer le budget de fonctionnement, qui ne dégage donc plus de capacité d'autofinancement, c'est ce qu'a écrit Monsieur Soleil, doit nous rendre très prudents sur l'engagement des projets d'investissement. Nous bénéficions d'un niveau de la dette assez bas, on va dire que c'est l'héritage aussi, hein.
Il nous semble utile d'attendre et de ne faire à ce stade que ce qui est urgent ou nécessaire. Alors oui, pour la finition des travaux extérieurs du CTM, qui était engagé, oui à l'enfouissement des réseaux. Sans doute, la réfection de la toiture de la piscine, c'est un audit technique, en confirme l'urgence. Peut-être le démarrage de la rénovation de l'école Langevin, en mesurant bien tous les effets, notamment sur les familles pendant et après les travaux. Par contre, nous nous opposons fermement aux travaux coûteux, inutiles et préjudiciables de votre PCDU, qui vont défigurer la ville et compliquer la vie des habitants. Ce n'est pas la bonne façon de développer l'intégration du vélo dans notre ville. Mais nous avons bien compris que vous en aviez fait un marqueur politique, je pense, au détriment des intérêts des habitants. Restez sur votre ligne de dépense envers et contre tout, malgré la période de crise actuelle, nous semble irresponsable. Et de fait, vous vous heurtez aujourd'hui au mur des conséquences de vos propres décisions, monsieur le maire. Merci. Bien, madame Alquier, j'attends là aussi avec impatience de voir comment vous et votre groupe résoudrez l'équation financière dans la proposition du budget. J'entends là aussi, j'écoute avec attention ce que vous nous dites, que la priorité chez vous n'est pas l'investissement. Je vous rappelle juste qu'on sort de 6 ans de non-investissement dans notre commune, notamment dans les équipements scolaires, et que les villes, les collectivités qui n'investissent pas, elles reculent. Voilà, et donc il n'y a vraiment pas de débat, et en tout cas on n'est pas en phase là-dessus. Nous ne renoncerons à aucun investissement. C'est ça qui préserve l'avenir, c'est ça qui permettra demain de réaliser les vraies économies d'énergie. Vous ne pouvez pas d'un côté nous inviter à nous mettre en conformité avec un certain nombre de préconisations et nous inviter à ne pas investir. Nous traînons des équipements collectifs qui sont hors d'âge, qui sont des passoires thermiques, qui nous coûtent une fortune en entretien. Et bien évidemment qu'on a un lourd retard en matière d'investissement. Et je ne partage clairement pas votre satisfecit sur le fait que la ville soit peu endettée. L'argent coûte peu cher en ce moment. Je crois que c'est une vraie fausse manœuvre qui a été réalisée les années passées. On a laissé passer des opportunités de réaliser des investissements qui nous permettraient aujourd'hui de maîtriser nos coûts de fonctionnement. Et il est clair que nous ne continuerons pas dans cette voie. Cette voie était une erreur et ça fait partie des divergences de fond que nous avons. Voilà ce que je voulais dire en réaction à ce que vous avez indiqué. Pardon ? Je ne peux pas vous laisser dire que nous ferions rien avant, et d'ailleurs vous faisiez partie de cette équipe, je le rappelle quand même, et nous avons fait énormément de rénovations, et le budget d'investissement chaque année était pratiquement le même. Et j'ai compté le nombre de projets que vous avez. Certes, c'était une campagne électorale, vous avez beaucoup d'idées, mais on ne peut pas faire 12 ou 15 projets. Voilà, je veux dire, il faut planifier et il faut que ce soit fait de façon priorisée, dans les urgences ou pas. Voilà, il faut le faire de façon bien organisée et bien planifiée. Alors, c'est sûr que si vous parlez du tennis, c'est un investissement qu'on n'aurait clairement pas fait. Voilà. Par contre, effectivement, ne pas rénover un groupe scolaire pendant 6 ans, c'était une faute politique, non, clairement. C'était une faute politique. La piscine, le toit de la piscine, l'argent de l'assurance, ça fait 10 ans qu'on l'a encaissé. Donc, moi, je vais pas dépenser de l'argent pour refaire un diagnostic. Le toit de la piscine, un jour, il va tomber sur la tête des nageurs. Tout le monde le sait. Et c'est à l'agenda depuis plus de 10 ans, la piscine. Donc, voilà, je veux bien que vous me racontiez tout ce que vous voulez. Mais les quelques investissements qui ont été concentrés sur la mandature précédente n'ont vraiment pas été marqués de succès. Et on a pris un retard considérable. Il faut juste l'acter. Donc, se réjouir chaque année qu'on ait baissé de 2 millions notre endettement, je ne crois pas que ce soit une fin en soi. Pas une fin en soi. On a une responsabilité patrimoniale importante. On a des équipements qui vieillissent. On a une ville qui a triplé de taille à 60 ans. Donc, on est en face d'un mur d'investissement qui aurait dû être très largement anticipé. Sauf qu'on a reculé, pas dépensé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des équipements tous très vieillissants ensemble. Et oui, ce défi est devant nous. Voilà. Et la responsabilité de la mandature précédente, des mandatures précédentes, est fortement engagée. Et pour le coup, vous en fiez partie depuis plus longtemps que moi. Monsieur Gorce. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à l'issue de mon intervention. Alors d'abord sur les chiffres, hein, je rappelle simplement que le coût de la piscine, hein, pour revenir sur ce sujet-là, est d'à peu près, de mémoire, 1,5 million par an. Les recettes sont d'à peu près 600 000 euros, donc je maintiens 300 cette année, oui, 300, elles ont baissé. 1,6 million.
1,6 million de coûts, 800, c'est moins de pointe. Non, enfin, en tout cas, bon, bref, OK, il y a un fort écart entre les recettes et les dépenses. Lors de la préparation de cet exercice, de l'exercice budgétaire, vous nous aviez proposé de travailler un petit peu en proximité. Et une chose que nous avions demandé était d'avoir une visibilité sur l'évolution des effectifs sur 2019, 2020, 2021, puis essayer de voir un petit peu la trajectoire à venir. Je maintiens et nous maintenons que ce sujet doit être traité de façon précise et nous continuons à demander à avoir des données relative à l'état des effectifs depuis 2019. Il nous paraît important d'avoir une visibilité là-dessus et nous maintenons également que l'idée d'un plan de performance, ça se fait dans les entreprises. Je veux dire, on vit tous dans des entreprises, on sait comment les choses se font, même si, et je suis d'accord avec vous, il peut y avoir des décalages, mais dans les entreprises, c'est la même chose également et il faut le voir en lien avec les départs naturels des gens. Voilà, je pense que néanmoins, l'approche de type plan de performance est utile. Et je termine juste, pardon, il y a quelques années, avait été faite une étude systématique, et je sais qu'il avait faite de toutes les activités, ça devait représenter à peu près 98 slides. Je trouve que ce genre de choses remises au goût du jour pourraient être utiles et permettre une interrogation et une réflexion utile à tous, et notamment à la fiscalité résultante. Je sais le travail que vous avez fait à l'époque, M. Gors. J'entends qu'on puisse s'inspirer du monde de l'entreprise pour adopter de meilleures règles de gestion. Je rappelle simplement que les règles RH dans la fonction publique territoriale ne sont pas tout à fait celles de l'entreprise, donc on ne fait pas des plans sociaux. Voilà. Et les départs naturels, quoi qu'on en pense, ne sont pas massifs. On peut décider, hein, ça a été fait à une époque, de poser comme doctrine qu'on ne renouvellera aucun départ. Bon, je vous assure qu'il y a des services qui vont très vite se mettre à souffrir parce que quand on veut jouer en vrai à ce type de choses, on se heurte à la réalité des compétences. Et quand vous avez deux ou trois personnes qui sont seules dépositaires d'une compétence, ne pas les remplacer, c'est planter intégralement le service et altérer très rapidement la qualité du service public. Donc c'est cet exercice. Je reviens juste sur la petite pique sur les jardiniers. Quand on a fusionné, sans faire injure à Reconcours, il n'y avait plus beaucoup de jardiniers à Reconcours. Il n'y en avait pas en fait. La surface de la ville de Reconcours n'est pas tout à fait négligeable. Voilà. Et donc, ce sont les équipes des espaces verts de la ville historique du Chesnay qui, en plus de l'activité qu'elles avaient, ont dû se réadapter pour aller assurer. Au début, d'ailleurs, avec un peu de difficulté, hein, la population nous a fait reproche, et elle avait raison, de la moindre qualité de l'entretien des espaces verts. Voilà. Donc, on a fait une forme de productivité par extension du domaine à entretenir. Voilà. C'est pas qu'on n'est pas regardé, c'est pas qu'on est voilà. Sur un autre sujet, on en redébattra sur la propreté urbaine, sur lequel nous sommes assez régulièrement interpellés par la population. On a fait un benchmark. On est très très en deçà des ratios de personnel par rapport à la taille de la ville et de sa population, mais très en deçà. Si nous nous mettions à niveau, on parle d'une remise à niveau de. On parle de 23 embauches. Oui, et en euros, ça fait combien? Est passé pour 1 pour 1200 ou 1300 habitants. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a 7 agents. Donc, entre 7 et 30, il y a un monde. On ne dit pas qu'il faut être à 30, pas la question. Hein. Mais encore une fois, on voit qu'il y a des services qui sont plus qu'à l'os, ils sont fatigués. C'est des métiers difficiles, en plus souvent pas très bien rémunérés. Et je voulais faire une petite remarque sur la prospective, sur les départs. Le problème des départs, c'est qu'ils se font entre 60 et 67 ans. Et c'est à la discrétion des agents, et c'est bien normal de choisir au moment où ils souhaitent partir. Certains voulaient partir quand on est arrivé, puis finalement se sont dit, tiens, je vais rester 1, 2, voire 3 ans de plus. Et donc, il est aussi difficile, puisque vous regardez à la personne près, de faire une vraie prospective. Et je rajouterais par rapport à ce que disait Monsieur le maire sur le non-remplacement, on arrive finalement aussi, non pas à un mur d'investissement de bâtiments, mais aussi à un mur de génération. On a beaucoup de cadres qui ont aujourd'hui entre 64 et 67 ans. Ces cadres, il n'y a pas eu de tuilage de préparer quand on est arrivé. Il n'y avait pas de JPEG quand on est arrivé. C'est-à-dire que tous les outils que vous nous demandez, vous avez plutôt raison, hein, compta analytique, ben, il n'y en avait pas. Et finalement, pour les construire, les avoir, ça prend du temps. Pour la culture, finalement, on pourrait dire la culture de groupe, hein, ou la culture mairie, bah, ça aussi, ça se construit pour le préparer. Et donc, on est dedans.
mais ça prend effectivement plus que 18 mois pour vraiment remettre ça à niveau. Organiser l'étuilage, ça veut dire aussi embaucher, donc augmenter mécaniquement la masse salariale, parce que finalement, on est aussi sur une forme de cohérence. Certains emplois, dans 2 ans, vont disparaître d'eux-mêmes, si vous voulez. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas, de but en blanc, avoir des cadres qui partent en année N et embaucher leurs remplaçants en année N ou en année N plus 1. Il faut les embaucher quasiment en année N moins 1 pour qu'il y ait un réel tuilage. Et ça, vu qu'on avait beaucoup de services où il n'y a pas d'adjoint, pas de numéro 2, etc., bah forcément, vous avez besoin de redévelopper des cadres pour avoir un tuilage de qualité, pour justement que la mécanique de la mairie se poursuive sur le long terme et que les dossiers soient bien gérés. Si vous demandiez, j'ai pas les chiffres de 2019, en 2020, on avait en équivalent temps plein, parce que c'est ce qui est intéressant, hein, hop, je me trompe pas, 453,90, on est précis, et en 2021, on est à 452,73. 2022 arrivera avec une légère hausse aussi parce que finalement, il y a des gens qui étaient en prestation externe qui sont intégrés à la ville. Donc, on vous fera tout le détail de façon à ce que si on a, par exemple, plus 7 ou plus 8, voire plus 10, si dans le lot, il y a déjà 7 personnes qui étaient finalement en prestation externe mais qui n'étaient pas comptées dans nos équivalents temps plein, la hausse, elle est effectivement de façade, mais en termes de coûts, c'est exactement la même chose. Donc, voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. Je vous remercie. Juste, pardon, si vous me le permettez. Allez-y, monsieur Corse. Si je reprends la dernière phrase qui vient d'être prononcée, non, bien entendu, ça n'est pas équivalent, puisque quand j'embauche un agent, je l'embauche pour une durée beaucoup plus longue que si j'ai un prestataire de service. Donc non, ça n'est absolument pas comparable. Deuxièmement, pardon, et sans polémiquer, quand pour reprendre ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, on ne peut pas faire de plan de licenciement, etc. J'ai envie de dire que c'est justement la raison pour laquelle les recrutements doivent être réalisés avec beaucoup de prudence, d'analyse. Et j'ai envie de dire, ni recourir que parce qu'effectivement, on ne peut pas faire autrement, je pense. Et vous mettez de l'eau à mon moulin. Effectivement, il faut bien se poser la question de voir comment on fait évoluer cette masse salariale qui va poser problème. Ben moi, je suis tout à fait prêt à repartager avec vous la réalité des recrutements que nous avons faits depuis le début de la mandature et que vous me fléchiez les recrutements que vous considérez comme... relevant de la gabegie. Moi, je suis tout à fait individuellement, je n'ai aucun regret sur chacun des recrutements auxquels vous avez procédé. Moi, je suis tout prêt à les partager. Alors, on enlèvera les noms, etc. Mais que vous m'expliquez que ce recrutement-là ne valait pas le coup. J'ai vraiment aucun problème parce que la réalité aujourd'hui, hein, et je profite pour saluer notre directeur général des services qui aura fait le pompier, qui fait du 2 en 1. Je rappelle qu'on va passer quasiment 1 an sans directeur du CCAS. 1 an. On va tous se dire que le poste de directeur du CCAS n'est pas un job à mi-temps. Voilà. Pendant 1 an, la direction du CCAS, elle aurait été assurée en plus du reste par Gilles Lefebvre et Sylvain Aubé. Voilà. Donc, des efforts, on en demande tous les jours à toute notre administration. En ce moment, aux affaires générales, c'est Carl Carion qui fait en plus de son job le patron des affaires générales. Donc, j'entends, hein, moi je veux bien prendre toutes les leçons, mais je vous assure qu'on sollicite, on mobilise très au-delà du raisonnable tout notre encadrement. Voilà. Et pendant trop longtemps, on a habitué cette mairie à avoir des postes non vacants. Je vous donne pas de nom, mais vous avez été aux affaires. Madame Ripoll, qui a pendant 2 ans et demi assuré un intérim. Quand on fait 2 ans et demi intérim, on n'est pas sérieux quand on est élu. Quand on laisse pendant 2 ans et demi une personne qui a un vrai job faire un autre job à temps plein, on n'est pas sérieux. Et donc, c'est clair que nous, en arrivant, on a voulu mettre un terme. Et à un moment, soit les postes méritent d'être couverts et on les couvre. Et en général, je parle de job temps plein, mais je vous le redis, hein, moi, sans polémiquer, on ressort la liste individuelle de tous les recrutements depuis 1 an et demi. Je n'ai aucun regret. Les services techniques étaient à l'os. Je suis désolé. Puis, si on refait l'historique de la manière dont ils étaient staffés, il y a 7 ou 8 ans, le réseau, il n'a pas changé. Hein, le kilométrage des rues, hein, il y avait des ingénieurs, il y avait des techniciens. Quand j'arrive au service voirie, il y a plus qu'un technicien. Voilà. Donc, à un moment, moi, je veux bien qu'on parle de productivité. Mais à un moment, il faut juste ouvrir les yeux. Et donc, je vous promets qu'on fera l'exercice, je demanderai à M. Ribert de sortir de manière détaillée les recrutements qui ont été faits, et on en reparle. Mais je ne crois pas pour l'instant qu'on ait ouvert d'équipements exotiques, etc. On essaie juste de remettre à niveau des services qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, en souffrance. Et pas juste pour le plaisir de dire qu'on restaffe, c'est par un souci d'efficacité d'utilisation de l'argent public. Et Mme Alquier, je ne suis pas d'accord avec vous, à un moment, il me semble que quand on mobilise de l'argent pour des investissements, il faut qu'on s'en donne les moyens, ou alors on se fait plaisir. Mais à un moment, quand vous mettez des budgets et que vous savez que vous n'avez pas le tiers du quart des mecs ou des nanas pour
réaliser les études qui vont permettre de mener les investissements, c'est malhonnête intellectuellement. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit cohérent et le travail de rattrapage qu'on fait est un travail nécessaire et malheureusement, il n'est pas terminé. Malheureusement, il n'est pas terminé. Après, ce que dit M. Ribert, on est dans l'étape d'après, d'avoir la capacité à tuiler, mais malheureusement, on sait que bien souvent, on n'a pas le cas, mais c'est quand même aussi en termes de transmission d'infos, etc. On a beaucoup de services qui reposent sur l'expertise d'une seule personne. On a des petits services. Vraiment, quand le titulaire n'est pas là ou quand il lui arrive, et puis la crise Covid nous a quand même, là aussi, sévèrement rappelé ce que ça voulait dire quand on perdait pendant 4, 5, 6 mois le titulaire, quand il n'y a pas de numéro 2, ben, tout le service s'arrête. Donc, il y a une question aussi de robustesse. La pérennité du service public, elle passe aussi par la capacité à avoir des organisations. Et donc, à un moment de la compétence de la matière grise, ça coûte. Je suis d'accord, ça coûte. Mais à un moment, il me semble qu'à investir, c'est vers ça qu'il faut aller. Après, et je le redis et je le dis en toute transparence, le sujet de la fermeture d'un certain nombre d'équipements, bien évidemment qu'on l'a évoqué, et peut-être que ce sujet reviendra, mais prenons, Mme Bélier, juste au moment, prenons les crèches. On aurait pu décider à un moment qu'on ferme nos crèches, sauf que nos crèches sont pleines à ras-bord. Je vous avoue que là, politiquement, vous annoncez qu'on va fermer une crèche dans les 2 ans qui viennent, etc. Pas forcément sûr que la population soit enthousiasmée. Mais voilà. Mais on peut se dire ça. Je prends l'exemple de la piscine. On peut effectivement se dire, dans 5 ans, on ferme la piscine, on n'investit pas, etc. Je dis, il faut juste qu'on l'assume avec la population. Et je n'ai pas oublié votre propos liminaire. À un moment, en tout cas, on l'a mis dans notre fil rouge du débat d'orientation budgétaire. Notre job, nous semble-t-il, c'est quand même d'essayer de répondre aux attentes de la population. Après, il n'y a pas d'argent magique. Les 2,7 millions d'euros, bah, sauf à ce qu'on soit trompé dans les additions, ils sont quand même juste devant nous. Alors peut-être qu'on pourrait en avoir l'idée 2, 3, 400 000 sur la partie RH, mais pour la partie économie d'énergie et SRU, ils sont là. Hein. Voilà, donc c'est quand même ce défi qu'on a à relever. Et donc je comprends que dans un certain nombre des hypothèses qu'on a évoquées, il y a des choses que vous ne partagez pas, c'est assez naturel. Mais dans les équations économiques telles qu'on vous les donne, il y a une bonne partie du mur qui n'est pas éludable. Et donc à partir de là, voilà, il va falloir choisir des voies. Soit c'est de la réduction d'offres de services pour essayer de maintenir les coûts, c'est pas interdit, hein, et je peux le comprendre. Soit à un moment, effectivement, il y aura des leviers actionnés pour essayer de préserver une qualité de service. Et je le redis, en tout cas, c'est notre volonté d'investir pour l'avenir. Enfin, mais je vais pas vous faire un jeu, mais vous savez quand même au bout du compte que j'ai raison et qu'à un moment, si on n'investit pas, on le paye encore plus cher les années d'après. Et il me semble qu'on peut en faire, la démonstration. On a assez notablement sous-investi ces dernières années au nom d'un dogme, parce que c'était un dogme de « on ne touche pas à l'impôt ». Voilà. Et donc, je pense que dans la situation actuelle et face aux défis qui sont devant nous, je pense qu'il faut afficher d'abord ses ambitions politiques et aller sur regarder quels sont les leviers qu'on peut actionner. Pardon. Je trouve que le dogme de ne pas augmenter les impôts n'est pas forcément un mauvais dogme. Ce que je vois, et là-dessus, je pense qu'on aura d'ici le budget l'occasion d'en reparler, mais si on doit effectivement combler, entre guillemets, 2,7 millions, s'il faut trouver 2,7 millions, permettez-moi d'être extrêmement inquiet sur le niveau d'augmentation des impôts locaux. Et je pense que les choses vont avoir un peu de mal à passer. Monsieur Soleil. Oui, si vous voulez bien, j'aimerais bien faire 3 commentaires. D'abord, je dirais à Stéphane Gorce, juste pour un aspect pratique, qu'il y a un certain nombre d'éléments sur les ressources humaines qui sont donnés dans les annexes, en particulier dans l'annexe 4 du document qui est joint, dont l'évolution de la masse salariale. J'en profite pour préciser à Mme Alquier, qui lit les chiffres pas de la même façon que moi. Elle nous a dit tout à l'heure qu'on avait augmenté la masse salariale de 1 000 kg, c'est-à-dire d'un million d'euros entre 2020 et 2021. C'est faux, c'est 890. Et en plus, ça fait totalement abstraction d'une notion, c'est qu'en 2019, l'année n'était pas du tout représentative de la masse salariale, puisque c'était une année de plein Covid, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et si on compare, ça c'était 2020, si on compare 2019 à 2021, la masse salariale a augmenté de 470 000 euros, ce qui fait 2,1%. Et quand vous connaissez l'existence de la GVT, c'est quand même pas monstrueux. Et c'est pas 1 000 euros, c'est 470 en 2 ans. Donc ça, c'est des vrais chiffres. Vous parliez tout à l'heure aussi, Madame Alquier, de l'investissement qui a été très soutenu ces années dernières. L'investissement moyen sur les 5 dernières années, avant que nous n'arrivions, a été de 6,8 millions par an. Ah ben écoutez, on a les chiffres quand même. Vous les avez quittés, nous on les a sous les yeux. Hein, 6,8 millions. Je peux vous les donner année par année. Hein. 2015, 4,9 millions. 2016, 4 millions, etc. Donc on ne peut pas dire que c'était des investissements massifs. Donc on ne peut pas dire que le développement de la ville depuis la rénovation de Guynemer a été
considérable. Et puis la troisième remarque que je voudrais dire, que M. Gors s'inquiète beaucoup sur la fiscalité, je vous rappelle qu'on a bénéficié ou qu'on a supporté une réforme nationale qui fait qu'on n'a plus de taxes d'habitation. Donc, s'il y a une augmentation de nos impôts locaux, ils ne concerneront que la taxe foncière. C'est-à-dire que déjà, 40% de la population du Genêt n'est pas concernée. Et eux, une taxe qui augmente, ça ne les concerne pas trop. Alors, l'impact politique, on est tous d'accord, la taxe foncière ne touche que 60% des gens. C'est tout à fait vrai. Et les autres 60% qui payent la taxe foncière, qui payent la taxe foncière et la taxe d'habitation, leur taxe foncière représentait 45% de leur fiscalité, 55% pour la taxe d'habitation. Donc là où ils payaient 100, ils vont ne payer que 45. Donc si on augmente un petit peu de 5, 10, 15 ou 20, ou même ce que vous voulez d'ailleurs, la taxe foncière qui reste, de toute façon, ils seront très en dessous en termes de fiscalité de ce qu'ils payaient il y a 3 ans. Donc c'est vrai, il y aura un impact, c'est vrai qu'il faudra l'assumer politiquement, mais ne me racontez pas que ça va être terrible pour l'économie des ménages. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce stade, nous avons débattu des orientations budgétaires? C'est comme il est 22h et qu'on a encore quelques délibérations, je ne voudrais pas être accusé de vous emmener tard dans la nuit. Si vous en êtes d'accord, nous prenons acte que nous avons débattu. Donc je remercie l'ensemble des groupes de la qualité des échanges, c'est important. Je pense qu'il faudra de nouveau confronter au moment de la réalité de l'exercice budgétaire les options. Donc je vous invite quand même à aller au bout, même si c'est la responsabilité de la majorité de monter le budget, de quand même à grande masse regarder si les préconisations que vous nous faites sont tenables à l'aune des hypothèses financières qu'on partage avec vous, et évidemment que les 600 000 euros d'augmentation de l'énergie, c'était pas forcément l'agenda. Hein. Voilà, la loi SRU, on l'avait en tête, il y avait des hypothèses qui n'étaient pas complètement connues. Merci. Alors, je rechausse mes petites lunettes. Et je vais repasser la parole à Monsieur Soleil pour nous présenter l'AELM numéro 2 pour l'exercice 2022. Monsieur Soleil, vous avez la parole. Je vous rappelle très rapidement que les AELM sont destinés à permettre des investissements avant le vote du budget. Nous voterons notre budget le 13 avril, donc on a des investissements à supporter avant le 13 avril. Nous avons décidé, par délibération du 15 décembre 2001, une liste de dépenses autorisées pour un montant global de 2 051 600 €. Oui. On est limité, je vous le rappelle aussi, à 2 730 315, qui est un ratio des investissements de l'année précédente. Et là, on vous demande tout simplement de supporter une AELM pour 12 500 €. 10 000 euros, c'est même assez large, pour équiper nos écoles de capteurs de CO2. Et 2 500 € nécessités par le remplacement de mobilier endommagé dans la bibliothèque. Donc, on vous propose de voter cette AELM pour 12 500 €, qui correspond même pas à une dépense de 12 500 €, je le répète, mais à une réserve pour pouvoir acheter quelques équipements nécessaires. Merci, Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette AELM? Je n'en vois pas. On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité. Merci. Monsieur Soleil, vous gardez la parole pour la délibération numéro 4 concernant le plan d'aide exceptionnel aux communes de plus de 25 000 habitants. Il s'agit d'un avenant. Voilà, nous avons signé en 2018 avec le Conseil départemental une convention par laquelle on s'engageait à réaliser un certain nombre de travaux et eux à nous subventionner à hauteur de 50% maximum pour ces travaux. Le montant global des subventions qu'on pouvait en attendre était 2,5 millions. Le montant des travaux correspondants était donc de 5 millions, qui se répartissaient en deux groupes. Premièrement, des équipements municipaux. Il s'agissait essentiellement du CTM et de la cuisine centrale des Seine-Vert. Le CTM intervenait pour des travaux à hauteur de 3,2 millions, donc une subvention attendue d'un million 6. Et la cuisine des Seine-Vert, 600 000 euros de travaux prévus pour une subvention attendue de 300 000 euros. Puis à côté de ça, il y avait le tennis, des travaux pour 1,2 million, et donc une subvention attendue pour 600 000. Pas de chance, on a changé notre programme sur les chaînes vertes. Là où on avait prévu 600 000 euros de remise à niveau de la cuisine, on est maintenant à 120 000 euros, parce que l'objectif n'est pas le même, les montants des travaux n'est pas le même. Et donc là où on espérait 300 000 euros par la convention de subvention, eh bien on ne peut plus espérer que 60 000 euros, parce que 50% de 120 000, ça fait 60 000. Mais dans sa grande bonté, le conseil départemental a bien
considérait qu'on était un petit peu, sans qu'il en soit responsable d'ailleurs, on était un petit peu spolié par ce changement de programme. Et donc, dans sa grande bonté, il a accru la subvention pour le tennis. Il a passé de 600 000 à 765. Et donc, je vous laisse faire les calculs. Ils sont justes. Là où nous attendions 2 500 000 euros de subvention, par la convention qu'on vous propose de signer, on arrivera à 2 425 000. Donc, en fait, le changement de programme sur la cuisine n'impactera les subventions globales reçues que de 75 000 euros. Voilà. Donc, c'est exactement et exclusivement la raison et le motif de cet avenant. Merci. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Je passe la parole à Madame Théménides qui va nous parler de révision de tarifs des concessions funéraires dans notre cimetière communal. Madame Théménides. Merci, bonsoir à tous. Donc, le tarif des concessions funéraires du cimetière communal sont en vigueur aujourd'hui, ont été fixés en 2015. Une évolution de ces tarifs est nécessaire en fait, au regard de leur ancienneté d'une part et de l'évolution des frais qu'engendre la gestion de cet équipement communal. Et donc, il est proposé une augmentation aujourd'hui uniforme de 6,35% qui correspond aux inflations successives des années donc 2016 à 2021. Cette évolution n'est pas réalisée sur l'ensemble des concessions, parce qu'en particulier sur les concessions du pyramidal, le canton 4, en fait, il faudra mener un travail spécifique sur leur tarif, parce que le tarif initial comprenait des coûts de travaux qui ont été amortis depuis et sur lesquels on veut travailler. Simplement, aujourd'hui, le responsable des affaires générales n'est pas là n'est plus là depuis un an, on va dire, donc on attend l'arrivée de la remplaçante ou remplaçant pour mener ce travail. Merci Madame Théménides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits d'intervention, des votes contre ? Abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Voiseux, vous allez nous présenter une convention d'investissement avec l'Office national des forêts pour le parcours sportif dans le parc forestier de la Fosse aux Loups. Bonsoir à tous. Donc, comme objectif, la commune a de dynamiser son territoire et de répondre à la demande des usagers au niveau des espaces verts. La forêt domaniale de Fosse-Repose permet d'accueillir énormément de monde tous les ans. Et dans cette forêt domaniale, on a la partie du parc forestier de Fosse-aux-Loups qui a été aménagée en 1982 pour donner accès aux usagers à des infrastructures, dont le parcours de santé qui serpente dans la fosse aux loups. Ce matériel est par contre très vieillissant, il s'abîme, et même il est sujet à dégradation. Justement, Madame Alquier, vous avez bien remarqué lors d'un échange sur les réseaux sociaux que le parc s'abîmait. Donc c'est un élément qu'on avait pris en compte, et pour y répondre, on est revenu auprès de l'ONF pour discuter avec eux, parce que c'est l'ONF qui est gestionnaire de ce parc. Et avec des échanges pendant un certain temps, on a pu convenir de pouvoir réaménager et de remettre en place un parcours de santé tout neuf. Et pour ce faire, il nous faut signer une convention avec eux. Donc l'ONF participera à hauteur de 15 620 euros hors taxes pour la réfection de ce parcours de santé. Et pour le financement, nous, la commune, on participera à 80% de ce montant. À savoir que cet aménagement, à partir de 2023, l'entretien et le contrôle incombera à la commune. Merci, Monsieur Oiseux. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cet équipement qui, effectivement, fait couler un peu d'encre, en tout cas virtuel ? Pas de souhaits d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Merci pour les futurs sportifs qui les utiliseront. Madame Théménides, je vous redonne la parole pour une délibération concernant l'acquisition de la partie publique de la rue des Érables au département des Yvelines. Okay. Alors, j'ai deux versions. Soit je la fais très très longue en vous rappelant tout l'historique. Cochez la deuxième case. Vous dites juste où se trouve la rue des Érables, parce que je ne suis pas sûr que tous nos collègues visualisent cette rue. Côté Rocancourt et la rue de l'Étang.
puisqu'on parlera de la rue des temps tout à l'heure. Donc, il y avait une problématique de voirie qui était liée à la ZAC qui a été ouverte en 1971 et clôturée en 1995. Par le hasard ou les malchances des notaires, le CADAS, le conseil municipal, le département, etc., il y a eu plein de petites anomalies sur les enregistrements d'une partie de la voirie. Et donc, l'objectif ici, c'est de racheter pour 1 euro symbolique au conseil départemental une voirie que nous entretenons et qui, quelque part, est déjà dans le domaine communal. Voilà. C'était très bien, très synthétique, mais ça ne dit pas le temps et l'énergie qu'il a fallu pour renouer les contacts, discuter avec les copropriétaires, retrouver les textes et permettre de régulariser cette situation. Donc, mais pour 1 euro symbolique, c'est plutôt pas mal. Je voulais juste relever la phrase justement du conseil départemental qui disait qu'il s'agit d'une simple régularisation d'une situation foncière historiquement compliquée. C'est ça. Tout est dit dans cette petite phrase. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhait d'intervention, des votes contre, l'abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Collins, vous allez avoir la parole pour nous parler d'une convention de fluide avec la Société civile immobilière C2 Saint-Martin pour l'ensemble immobilier des Cyprès. Merci Monsieur le Maire, bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir à toutes et à tous. Je vais choisir l'option rapide, donc le bouton numéro 2, puisque cette délibération a déjà été présentée au Conseil municipal du 30 septembre, techniquement comme la production de chauffage de courant électrique, etc., donc d'eau est commune avec la municipalité, une convention de répartition a été proposée. Les démarches auprès d'Enedis et les travaux nécessaires à rendre autonome électriquement le cabinet ont pris du retard, donc plus de temps que prévu. Il y a donc lieu de délibérer à nouveau pour permettre la signature d'une nouvelle version de cette convention afin de prendre en compte ce retard. Voilà. Très synthétique, Monsieur Collins. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Très fluide. Pas de souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Madame Charpentier, la prochaine délibération est pour vous. Il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAFI, Caisse d'allocation familiale des Yvelines, pour la période 2022-2025, sur le secteur de l'accueil de loisirs enfance et adolescence. Merci, Monsieur le Maire. Alors, on parle des accueils extrascolaires, périscolaires et des ados. Et donc, ce partenariat avec la CAFI se traduit par le financement des prestations de services. Le montant des aides est calculé chaque année en fonction de la fréquentation constatée au sein de chaque équipement ou activité, d'où le décalage. Et ainsi, en 2021, la prestation de services versée par la CAFI devrait s'élever à 270 000 euros au titre des activités jeunesse. En 2020 et 2021, la CAF n'a pas tenu compte des périodes de fermeture des structures liées à la crise sanitaire. Le montant a été fixé sur les fréquentations de 2019. La CAFI accompagne également la collectivité au titre du CEJ, le contrat enfance-jeunesse, à hauteur de 95 000 euros par an. C'est ce qui permet de financer le plan mercredi. Et donc, la dernière convention d'objectifs et de financement a été renouvelée en 2018. Elle est arrivée à échéance fin 2021. Il nous faut donc solliciter le renouvellement de cette convention pour la période 2022-2025. Merci, Madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur le renouvellement de cette convention ? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Monsieur Ribert, on attaque une longue série pour vous. Et la première, c'est le tableau des emplois et effectifs. Tout à fait, une nouvelle résolution. Le tableau des emplois et effectifs. Donc cette fois-ci, nous avons un certain nombre de suppressions de cadres d'emplois qui avaient été créés pour une précédente délibération de conseil municipal pour le recrutement du responsable de service stationnement, puisque... En étudiant aussi, on avait cette piste-là dès le début, mais il faut toujours s'ouvrir toutes les pistes pour ne pas perdre de temps. Nous avons donc à faire un recrutement interne. Ce faisant, on ferme les cadres d'emploi qui étaient ouverts, puisque la personne qui prendra ce poste a un cadre d'emploi différent. De plus, on va créer deux emplois, ça s'appelle des PEC, c'est des cadres d'emploi que nous n'avons pas d'ouverts. Ce sont des emplois aidés, en tout cas soutenus par l'État, qui permettent d'avoir donc un coût pour la collectivité plus faible, et qui viennent en remplacement, un,
d'une personne qui est déjà partie à la retraite chez les agents des espaces verts, et la deuxième va venir en tuilage en attendant un départ en retraite qui est prévu dans quelques mois. Mais puisque ces personnes sont finalement des débutants, ils ont aussi besoin d'être accompagnés par les personnes déjà en place. C'est pour ça qu'il y aura la suppression de ces deux postes dans certainement le mois prochain. Voilà donc pour cette délibération, monsieur le maire. Merci, monsieur Hubert. Je vois deux mains se lever. Monsieur Gors et madame Alquier, pardon, de lever de main. Pardon. Je vais être très bref. En cohérence avec ce qu'on a dit tout à l'heure et sans attaque naturellement sur les personnes, nous allons nous abstenir. Bien noté, madame Alquier. Oui. Tout d'abord, je voulais me réjouir qu'effectivement, il y ait une forme de mobilité interne et qu'on puisse faire changer de grade certains personnels. Je pense que c'est effectivement la voie qu'il faut choisir et notamment former ces personnels pour leur donner une mobilité aussi bien fonctionnelle que hiérarchique. Donc, c'est un des moyens d'optimiser. Et effectivement, je rejoins un peu Monsieur Gors sur l'aspect des jardiniers, les espaces verts. Vous minéralisez, vous mettez des cailloux blancs partout. On se pose quand même la question de réel besoin d'embaucher encore plus. Je vais juste quand même prendre la parole parce que souvent j'ai lu la question, mais je le dis aussi pour les agents, parce qu'on a donc 25 agents qui font un travail remarquable des espaces verts et qui pourtant est fortement, je veux dire très fortement critiqué par la population. Et certainement à raison, vu le résultat. Le résultat, c'est qu'on a l'impression d'avoir finalement une forme de shadow. À chaque fois qu'ils ont commencé quelque chose et qu'ils finissent, il faut recommencer parce que la ville est tellement grande, ils sont tellement peu nombreux que certaines tâches, ils n'en voient pas le bout. L'état du cimetière nous a été reproché quand nous sommes arrivés. Et effectivement, nous avons mis une ressource à plein dedans parce que le cimetière n'était pas dans un état satisfaisant d'entretien comme énormément de parties de la ville. Nous avons 25 agents pour près de 40 km de voiries et d'accotements. S'y rajoutent les voiries du département, qui ne sont pas à nous, mais comme vous devez le savoir, puisque vous avez été aux affaires, c'est la ville qui les entretient. Et donc, à un moment donné, effectivement, ces personnels, je vous invite d'ailleurs à vous balader le long de ces routes, hein, elles ne sont pas dans un état satisfaisant d'entretien. Le département ne nous aidera pas plus que ça. Et donc, il faut effectivement minéraliser des ronds-points de façon à ce que le reste de la commune soit bien entretenu. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans plein d'endroits, vous allez dire l'herbe est trop haute, les arbres ne sont pas taillés, la visibilité aux abords d'un passage piéton n'est pas satisfaisant. Et tout ce système-là, le nombre d'arbres, tout le monde est très content d'avoir des arbres en ville, on les élague nous-mêmes. Hein, c'est donc finalement une vraie compétence interne, une vraie formation. C'est de l'investissement sain, parce que ça évite d'avoir des prestataires externes qui viennent le faire, sauf que effectivement, nous avons 4 personnes qui sont formées, qui font l'élagage. Je le rappelle, je l'ai dit la dernière fois, on a une équipe, par exemple, sur Rocancourt, l'intégralité du territoire, ils ne sont que 3. Je vous passe la période Covid, mais donc, dès qu'il y en a un de malade, être à 2 dans le camion pour gérer presque 6 km de voirie, c'est un petit peu compliqué. Donc, je peux comprendre qu'on ait l'impression, parce que parfois, quand on passe devant les personnels, on se dit, tiens, ils pourraient travailler de façon encore plus active, mais effectivement, on est plutôt aujourd'hui dans une rationalisation par rapport à ce que vous dites, et vous avez raison, on est content que ça soit vu, parce que ça aurait dû être fait avant la minéralisation des ronds-points, parce que c'est quand même pas très nouveau, ça aurait pu être fait il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, on rationalise de façon à ce que, enfin, finalement, la ville soit bien tenue. Si, une fois qu'on a fait cette révolution-là, la ville est bien tenue et qu'on a besoin d'un ou deux agents de moins, on se fera un plaisir, effectivement, de se dire que on peut déployer ces postes ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Bon, c'est peut-être une question d'organisation, parce que la ville a toujours été bien tenue, propre et bien fleurie. Donc, par les deux est bien tenue, voilà. Et ça, c'est une différence, mais pas forcément la ville. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 3. Et le reste à la très grande majorité. Merci. Monsieur Hubert, vous avez une délibération sur l'instauration d'un taux de vacation pour rémunérer un moniteur éducateur. Tout à fait. Une nécessité technique, on est obligé de créer ce taux de vacation puisqu'il n'existait pas dans la collectivité de vacation pour un moniteur éducateur au tarif de 20 euros de l'heure. C'est une personne qui va prendre en charge un enfant qui est aujourd'hui accueilli dans une crèche et qui va rester un an de plus dans cette crèche. Il a besoin d'un accompagnement spécifique.
Et donc, on a cette personne qui va pouvoir venir toutes les semaines, à la fois finalement s'occuper de cet enfant et puis aussi former un petit peu finalement au geste une partie des équipes sur place et permettre d'être cohérent par rapport à notre volonté d'accueillir le plus grand nombre d'enfants dans les crèches. Voilà l'objet de cette résolution. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Des votes contre ? Des abstentions ? Ah, l'unanimité, merci. Délibération numéro 12, de nouveau un débat. Nous en avons manqué ce soir. Celui-là est obligatoire. Nous l'avons eu tout à l'heure au CA du CCAS et il porte sur la protection sociale complémentaire. Tout à fait, monsieur le maire. Alors, il est obligatoire, mais il va être relativement court puisque comme j'ai pu le présenter en commission finance, nous n'avons pas les tenants et les aboutissants exacts de ces débats. C'est-à-dire qu'effectivement, le législateur nous impose de le présenter avant le 18 février 2022, chose que nous faisons, nous indique qu'au 1er janvier 2025, une prévoyance sera mise en place pour les agents du service public, sur laquelle la collectivité devra participer à hauteur de 20%. Et qu'au 1er janvier 2026, une complémentaire santé sera mise en place sur laquelle la collectivité devra participer à hauteur de 50%. Mais, et c'est un peu dommage pour le débat, nous ne savons pas quel est le montant de cette cotisation, nous ne savons pas quel est le périmètre exact de ces protections sociales. Alors, aujourd'hui, on a eu quelques textes. Et on sait maintenant, par rapport à la commission finance, quelque chose d'assez logique, c'est qu'à la fois elle sera obligatoire pour les agents, mais qu'évidemment, s'ils ont une solution et qu'ils prouvent et justifient d'une solution alternative avec leur conjoint, conjointe d'une solution de mutuelle, évidemment, ils n'auront pas une double obligation d'être ponctionnés. Mais c'est les seuls éléments qu'on a. Donc le débat sur le budget est quand même central sur cette politique et aussi sur le taux, finalement, qui est un taux plancher de 20 ou 50%, mais la collectivité pourrait faire plus. Mais plus sur quoi ? Voilà. Donc aujourd'hui, voilà les éléments que nous avons, monsieur le maire. Donc, je pense que le débat va être relativement écourté. Alors, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ou est-ce que vous passez votre tour, monsieur Gors ? Je vous sens. Je passe mon tour. Vous passez votre tour, madame Alquier ? Bon, on en reparlera parce que les horizons de temps, on l'a dit au conseil d'administration du CCAS, c'est pour 2025 et 2026. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des précisions sur le sujet. Mais je préfère vous préaviser pour dans quelques années. Ça se traduira sans doute par une ligne budgétaire supplémentaire en mode dépense. Voilà. Mais lors d'un débat d'orientation budgétaire à venir, j'aurai plaisir à vous expliquer que nous en avions parlé quelques années auparavant. Y a-t-il des souhaits d'intervention autres ? Oui, madame Alquier. Oui. Simplement dire qu'effectivement, il faut que les agents aient une complémentaire santé, une prévoyance correcte. Donc, nous souscrivons à cette idée. Nous partageons votre avis. On va donc prendre acte que ce débat rapide a eu lieu et nous allons passer à la délibération suivante. Alors, donc ne croyez pas que j'ai décidé de m'engager dans une vie de tyran, mais de nouveau, je vais vous proposer d'étendre très très légèrement les délégations que vous avez bien voulu me confier, plutôt en raison de circonstances sur deux sujets donc qui vous sont détaillés, hein, sur lesquels je reviens. Vous savez que depuis maintenant près de deux ans, on essaye de remettre en service les stations Autolib. Le sujet était juridiquement compliqué. On l'a à peu près dépatouillé. On a lancé un appel, alors je sais plus si c'est du projet ou de la manifestation d'intérêt. Et parmi les gens qui ont bien voulu répondre, il y a une offre qui était intéressante, mais qui passait par la nécessité de remplacer les bornes Autolib. Et donc, c'est l'objet de cette première adaptation des délégations de me donner donc la possibilité de fixer les droits de voirie de stationnement sur la voirie communale due à la commune en contrepartie des autorisations octroyées pour l'installation et le déploiement d'une infrastructure nouvelle de recharge de véhicules électriques. Voilà, donc c'est un peu technique, mais l'idée de pouvoir nous permettre de bénéficier pleinement d'une des offres qui nous a été faite et qui, telle que le cahier des charges avait été fait, ne rendait pas cette offre recevable. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais globalement, en gros, l'idée, c'est de pouvoir, sur les infra Autolib, permettre à un opérateur
d'installer de nouvelles infrastructures, de ne pas réutiliser simplement les bornes. Et donc pour ça, il faudrait, voilà, ça n'est rien d'autre que ça. Et donc la technologie ayant un peu évolué, aujourd'hui on a à la fois une palette d'offres de recharge électrique qui peut être de la recharge rapide, de la recharge. Enfin, on est sur des solutions techniques et à refaire et à remettre en service des stations de recharge électrique autant qu'on ait des produits de qualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel vous êtes sollicité concerne le projet de la réhabilitation de l'école Langevin. Et donc la commune va procéder donc à une consultation afin d'attribuer le marché public de maîtrise d'œuvre de cette opération. Et cette consultation pourrait prendre la forme d'un concours. Dans ce contexte, il vous est proposé de préciser la délégation que vous m'avez consentie pour me permettre de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, afin d'être en mesure de réaliser rapidement les différentes actions à mener par la maîtrise d'ouvrage public dans le cadre de cette technique d'achat, et donc d'être en mesure de respecter le calendrier et les chances précitées, que je rappelle, c'est-à-dire des travaux qui démarraient à l'été 2023 pour une livraison de l'équipement scolaire, des équipements scolaires, à la rentrée 2025. Voilà, est-ce que vous avez des souhaits d'intervention, des précisions sur ce que je viens d'évoquer? C'est pas révolutionnaire, c'est vraiment de l'adaptation ad hoc par rapport à deux projets sur lesquels on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais par rapport à des petits ajustements. Madame Alquier, je vois... Pardon? Je ne maîtrise pas le... Alors... Vous avez sur les tablettes normalement. Bon, il n'y a pas de piège, je ne vous demande pas l'assentiment parce que je crois que j'ai la majorité, mais l'idée. Oui. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous en remercie. Et bien évidemment, ça ne m'exonérera pas de revenir vers vous sur ces sujets quand ils auront avancé. Nous avons deux délibérations concernant des modifications de désignation de membres de commission. Je crois, Madame Alquier, que c'était à la demande de votre groupe. Et donc on a... Les délais ne permettaient pas de faire ça au conseil précédent. Alors, sous votre contrôle, cette délibération donc porte sur la conséquence de la démission de Mme Guignard-Viaud, de l'arrivée de M. Châtelut. Et donc, à la fin de l'histoire, pour la commission urbanisme-bâtiment, donc les autres groupes, je ne reviens pas sur la composition, elle n'a pas changé, mais pour votre groupe, il y aura donc M. Jean-François Pemery et vous-même qui siégerez dans cette commission. Voilà. Faut que je rappelle les noms de tous les autres, Benoît, ou pas, où je peux... Voilà, donc si tout le monde est d'accord, je ne vois pas de main se lever, on valide donc à l'unanimité la nouvelle composition de cette commission urbanisme-bâtiment. Et pour la délibération qui suit, nous sommes... sur la commission finances patrimoine et dorénavant c'est vous-même et monsieur de Châtelut qui siégerez dans cette commission. Voilà, pareil, pas d'opposition à l'unanimité. Merci beaucoup et sauf avis contraire, nous avons épuisé l'ordre du jour régulier. Avant de passer aux questions diverses, y a-t-il des souhaits d'intervention sur la liasse de décision qui vous a été remise, Madame Alquier? Oui, sur la décision numéro 36 qui concerne la ZAC du Bourg. On constate, donc c'est concernant donc la nomination d'un avocat pour nous défendre, dans les nombreux désordres sur les trottoirs et chaussées, désordres sur la ZAC du Bourg. Moi, j'ai constaté moi-même, pour y être allé, qu'effectivement, il y avait de nombreux désordres sur les trottoirs et chaussées. On ne peut plus marcher. Il y a des trous partout. Donc, est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Et que fait-on? Comment règle-t-on le sujet? Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Comment règle le sujet? Deux options. Soit on répare tout seul à nos frais et de facto, on renonce à toute forme de procédure judiciaire parce que on a dénaturé le site, etc. Il n'y a plus matière de constater. Soit on va directement dans l'action judiciaire. Soit on prend le temps, ce qui a été la voie que j'ai demandé aux équipes de privilégier pendant la première année, d'une
recherche d'une solution à l'amiable avec les différents acteurs. Il a fallu déjà faire revenir les acteurs autour de la table. Je pense à REP notamment et aux sous-traitants. C'était un peu long, ça a pris 6 à 8 mois. Voir si il y avait possibilité de trouver un accord à l'amiable, c'est-à-dire un partage des frais pour réparer rapidement ces trottoirs. Cette voie n'a pas abouti. Donc on est maintenant dans la phase judiciaire avec experts en référé. En référé, vous savez que c'est la voie rapide. Donc on attend toujours que la voie rapide se débouche. Hein, la justice étant ce qu'elle est. Donc on est dans cette étape-là. Et l'idée est de défendre les intérêts de la ville. Alors évidemment, on a pris des mesures de précaution parce que je suis personnellement responsable si une personne se casse la figure et se fend le crâne. Hein. Là, pour le coup, je sais ce que je risque et je l'ai dit à nos interlocuteurs. Mais pour autant, je suis aussi un peu responsable des deniers publics. Et donc, voilà, un euro est un euro. Et donc, nous considérons que nous sommes dans notre bon droit. Et donc, on prendra le temps d'aller au bout de cette expertise judiciaire. Ça prendra quelques années. Parce qu'on a on a vraiment pris le temps de l'expertise technique, d'une analyse assez fouillée pour voir quelle était notre part de responsabilité. Et là aussi, hein, je ne jette pas du tout la pierre, mais on arrive en héritant d'une situation. C'est des dossiers qui étaient gérés par la commune historique de Roquencourt, qui n'avait pas des moyens techniques déments, hein, sans faire injure à la commune. C'était une petite commune. Et donc, à un moment, face à des très gros acteurs du BTP, vous n'êtes pas toujours aussi armé qu'il le faudrait. Voilà, la ville du Chesnay avait un peu plus de moyens d'expertise et d'analyse, et donc en faisant la remontée d'explications, on a pu nous faire la démonstration qu'on estimait que les prestataires qui avaient réalisé ces ouvrages avaient manqué à aux règles de l'art. Voilà, et donc c'était assez peu surprenant que les pavés se déchaussent aussi rapidement. Donc, moi, je considérais que ça valait le coup de prendre le temps d'une recherche à l'amiable. Nos interlocuteurs n'ont pas souhaité s'engager dans cette voie. Donc, on part dans la partie judiciaire, d'où la décision que nous prenons. Voilà. Donc, après, ça prendra un peu de temps. Dès qu'on pourra reprendre les travaux, mais il faut laisser les experts passer, constater et nous permettre ensuite de mener l'action judiciaire, on réparera. Et ensuite, on se retournera vers ceux qui nous doivent des trottoirs en bon état. Voilà, donc pour la faire courte, mais c'est vrai que ça faisait partie des chantiers qu'on a eu à récupérer au sens propre et au sens figuré, mais quand on est arrivé sur le sujet de la ZAC du Bourg, il n'y avait pas que l'hôtel, il n'y avait pas que le centre commercial, il y avait aussi des équipements, des ouvrages qui étaient peu satisfaisants et accessoirement dangereux. Voilà, donc ça vous explique pourquoi on en est aujourd'hui arrivé à cette étape-là. Mais je pense que ça valait le coup de chercher la voie amiable, et je vous avoue, pendant quelques mois, j'espérais qu'on arriverait à trouver quelque chose qui permettrait de régler rapidement et à moindre frais pour la commune les désordres observés. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sur les décisions? Je n'en vois pas. Nous allons passer donc aux questions diverses et je vais passer la parole à Madame Nocringer, si vous le voulez bien. Je vous laisse lire la question et je crois que c'est Monsieur Ribert qui répondra. Merci. Monsieur le maire, lors de la séance du conseil municipal de la commune déléguée, le maire délégué a fait part du souhait de la municipalité d'engager une procédure pour vendre au bailleur social I3F le terrain assiette de l'immeuble du 8 rue de l'Étang, immeuble appartenant à la commune et comportant 8 appartements. Ces appartements font l'objet de baux privés passés pour l'essentiel avec des agents de la commune, anciens ou en fonction. Dans ce cadre, I3F se propose d'acheter le tènement foncier issu de la division foncière indispensable et d'y construire un immeuble d'environ 28 logements locatifs sociaux. Nous rappelons que le PLU en vigueur classe cette parcelle en zone UE et que le règlement correspondant interdit la construction de logements. Compte tenu de la complexité de ce dossier et de l'inquiétude légitime des occupants, pourriez-vous nous apporter des précisions sur les dispositions que vous comptez prendre au plan de l'urbanisme, notamment à travers le PLU, des conditions financières et du devenir des baux privés passés avec les habitants? Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que la question posée au conseil de quartier sur ce projet était restée sans réponse, alors que le conseil municipal de Roquencourt s'est tenu 8 jours après. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, je rappelais un élément de contexte. Quand nous sommes arrivés, on a fait un tour des différents bâtis de la ville pour regarder à la fois leur potentialité et puis l'état dans lequel ils étaient.
Et certains étaient dans un état tel qu'on les a cédés, et vous le savez, on l'a voté il n'y a pas longtemps à 1 euro symbolique sur le boulevard Saint-Antoine. Donc il est évident que si on est dans une bonne gestion de long terme d'une commune, l'idée c'était de ne pas arriver à la même situation dans d'autres bâtiments. Le 8 rue de l'Étang est effectivement huit appartements qui ont une particularité, c'est des anciens logements de professeurs, et vous avez raison, ils sont dans une parcelle UE avec un règlement spécifique. Aujourd'hui, on est en phase d'étude. On n'a donc pas pour le moment d'éléments sur les conditions financières d'une cession. C'est bien sûr une prochaine étape que de consulter les services de domaine pour savoir justement quelle assiette on peut avoir sur le montant d'acquisition du bâtiment. L'incompatibilité que vous indiquiez sur le PLU, elle a bien été identifiée par les services qui sont toujours vigilants sur la réglementation et qui ont l'expérience de cette problématique puisqu'ils ont eu à le gérer par le passé sur un autre site. La modification du PLU est donc déjà intégrée au planning prévisionnel sur ce projet. Vous indiquez également le fait qu'il y a eu le conseil de quartier qui s'est tenu quelques jours avant et donc que vous n'aviez pas eu de réponse. Comme vous le dites, il y avait une inquiétude légitime des occupants. Il nous paraissait indispensable de voir les occupants avant de pouvoir en discuter avec d'autres instances. Le projet à la base était effectivement de pouvoir évoquer le sujet en conseil de quartier puisqu'on avait prévu une réunion avec les habitants le 18 janvier. Réunion qu'on a été malheureusement contraint d'ajourner à cause des conditions sanitaires qui au mois de janvier étaient telles qu'une réunion ne pouvait se faire qu'avec 5 ou 6 personnes. Donc vous imaginez qu'avec une personne de l'administratif, même en taille réduite, un seul élu, alors que là on était 2 et 2 et on n'aurait pas eu tous les habitants, ils n'auraient pas pu venir en couple, c'était pas satisfaisant. On a donc été obligé de décaler à une période qui nous paraissait tenable et de ne pas être obligé une seconde fois de reculer. Et donc on les a rencontrés le 10 février, soit la veille du conseil délégué, raison pour laquelle au moment du conseil délégué on a pu évoquer le sujet. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a plein d'instances et ça, chacune se dit mais pourquoi on n'a pas été courant plutôt que l'autre. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi choisir et il semble, enfin moi j'en suis convaincu, qu'il était normal que les habitants soient en premier alertés de la situation et non pas qu'ils l'apprennent finalement parce que en conseil de quartier ou en conseil municipal ça avait été évoqué. Alors effectivement, vous avez raison, il y a aujourd'hui 7 habitants, alors un avec un statut particulier, hein, puisqu'on est sur un logement purement ville, c'est un logement de fonction, hein, c'est un gardien, donc lui qui sera relogé par la ville. Ensuite, on a des anciens professeurs, des gens qui ont effectivement tous une attache avec la commune du Chesnay et Rocancourt. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va au fur et à mesure dénoncer les bails, hein, on leur a expliqué, de façon effectivement à pouvoir reprendre la main finalement sur le calendrier d'échéance. Certains auront des baux courts de façon à ce qu'on arrive finalement à un système où au moment où on commencera les travaux, on pourra les libérer. Et avec, on leur a fait une proposition d'un ce qu'on appelle un droit de retour, hein, de façon à étudier leur situation et qu'au moment où ils reviendront à la fin des travaux, ils aient les conditions pour retourner dans un logement social, quel qu'il soit, hein, puisqu'il y a plusieurs types de logements. Et à ce moment-là, la ville utilisera son droit de réservation sur une partie des lots pour pouvoir les reloger. Alors, évidemment, ça sera au choix des personnes. Hein. Certains auront peut-être un choix de vie différent, de ne pas revenir. Mais en tout cas, ils auront cette possibilité-là qu'ils pourront saisir dans les semaines qui viennent ou pas, parce que peut-être que certains choisiront de purement et simplement déménager. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point. Je pense que j'ai répondu à tous les points que vous aviez indiqués. Merci. Juste une petite question complémentaire, si je puisse me permettre. Sur le calendrier, dans quel calendrier envisagez-vous cette opération entre la modification du PLU et puis toutes les procédures effectivement qui s'en suivent, notamment au niveau du découpage foncier et puis voilà. Alors, tout le reste. Le planning exact, on pourra vous le fournir, là je l'ai pas en tête. On a l'échéance butoir. L'échéance butoir, c'est de dire que la fin des travaux peut se faire entre 3 et 4 ans à peu près. Hein. On a des fois des acteurs qui autour de nous, I3F, est parfois très optimiste en nous disant qu'à l'été, plein de procédures vont pouvoir être. Nous, on est un petit peu plus mesurés. On pense que voilà, il y a plein d'échéances, hein, en avril, en juin. Il y a aussi des choses où les équipes sont finalement assez tendues.
Donc, on ne veut pas non plus mélanger vitesse et précipitation. Il y a des calendriers, il y a des baux aussi, je vous dis, à finalement arrêter au fur et à mesure. Donc, 3 à 4 ans, modulo, effectivement, certains détails de planning, lorsqu'on l'aura, on pourra effectivement le fournir. Voilà. Merci. Merci. Et voilà, vous avez sur ce dossier l'illustration, j'évoquais tout à l'heure les meilleurs efforts que nous estimons devoir faire pour essayer de trouver des opportunités quand on inventorie le patrimoine municipal. À l'époque, on a la modeste ambition d'essayer de faire un niveau supplémentaire sur ces bâtiments. À aucun moment, on imagine qu'on va pouvoir avoir une solution qui a un espèce de double effet qui se coupe, parce qu'on va supprimer au dénominateur des logements qui ne sont pas des logements sociaux, en faire beaucoup plus que prévu. On n'a pas été au maximum du potentiel. Alors évidemment, comme toujours, ça suscite un peu d'émotion, c'est normal. Je rejoins ce que dit M. Ribert sur l'ordre dans lequel on aborde le sujet. Effectivement, on ne sera jamais dans le bon ordre, parce que la règle de préséance voudrait qu'on commence par en parler en conseil, c'est normal. Mais pour autant, c'est vrai que vous pouvez imaginer la réaction des habitants actuels de ces logements, et parmi eux beaucoup d'agents, s'ils découvraient en conseil quelque chose qui les concerne directement. Donc on essaie de cocher à peu près toutes les cases dans le meilleur ordre possible. Il y a en l'occurrence rien à cacher. C'est plutôt entre guillemets une bonne surprise de se dire que finalement sur ce site on a un bailleur social qui a vraiment travaillé le sujet rapidement pour le coup pour la partie étude, et qui arrive avec une proposition qui est très au-delà de ce qu'on imaginait être le potentiel de ce site. On était plutôt vraiment sur de la rehausse R+1, et là on a potentiellement un joli projet. Après, les calendriers, je partage la prudence de M. Ribert, 3-4 ans ça paraît raisonnable, tant mieux si ça va plus vite. Merci en tout cas de votre question. Je poursuis, je passe la parole à Madame Alquier. Je vous propose, il y a trois questions pour votre groupe, donc je vous propose de vous lire la première, et puis on y apportera les éléments de réponse. Alors, il s'agit de l'école Langevin. Vous avez annoncé la rénovation de l'école Langevin avec 2 ans de travaux à partir de 2023, ainsi que votre décision de fermer l'école Perrault. Dès l'année prochaine, les familles sont donc très concernées et s'interrogent sur la scolarité de leurs enfants. Il semblerait que soit prise la décision de transférer tous les élèves de CP à Rocancourt et de répartir les autres dans les autres écoles. Est-ce bien le cas ? Comment vont être traitées les fratries ? Vont-elles être séparées ? Prenez-vous l'engagement que des classes de l'école Perrault ne seront pas fermées ? C'est la question des parents également. Et il se dit que vous voulez engager dès cette année certains travaux sur l'école Langevin, et on s'interrogeait lesquels et pourquoi maintenant, alors que les travaux de rénovation doivent démarrer l'année prochaine. Merci. Je vais sur ce sujet passer la parole à notre adjointe aux affaires scolaires, Madame Siatou. Merci, Monsieur le Maire. Madame Alquier, nous avons effectivement annoncé il y a quelques mois les travaux de rénovation de l'école Langevin, donc comme l'a rappelé Monsieur le Maire, entre juillet 2023 et la rentrée 2025. Comme vous le savez, ce sont 2 années nécessaires pour mener un projet qui est d'envergure sur notre mandature. Nous avons fait le choix de déplacer et non fermer l'école Perrault sur le site de l'école Langevin, afin d'avoir un groupe scolaire qui réponde au mieux à toutes les exigences qui sont écologiques, environnementales, et je dirais surtout aussi adaptées au rythme des enfants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les enfants passent de plus en plus de temps dans nos écoles. Les familles s'interrogent, ce qui est tout à fait légitime. Nous échangeons donc régulièrement avec les fédérations de parents d'élèves, donc ça a été le cas il y a une quinzaine de jours, mais aussi avec les représentants des parents d'élèves lors des conseils d'école, ce qui a été le cas de la semaine dernière, et nous avons donc pu rassurer des parents qui étaient inquiets. Vous évoquez donc la phase travaux, donc il y a un comité de pilotage sur le fonctionnement de Langevin en phase travaux, donc qui a été mis en place au mois de janvier, et qui travaille sur différents scénarios envisagés. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, aucune décision n'a été prise et aucune annonce n'a été faite. Nous ferons au printemps donc des propositions sur les options que nous envisageons, qui seront envisagées suite à ce comité de pilotage, et nous soumettrons donc les propositions aux directeurs, aux équipes enseignantes, aux familles et bien évidemment en commission scolaire. Alors, vous évoquez la problématique des fratries. Alors, c'est un sujet aussi sur lequel nous apportons vraiment une attention particulière,
parce que nous sommes bien évidemment conscients que des familles seront confrontées au fait que leurs enfants pourront par exemple être sur le site Perrault, alors que les aînés seront sur un site potentiellement plus éloigné par la force des choses. Donc nous étudierons avec attention le périmètre scolaire et ses secteurs de scolarisation en lien donc avec les lieux de domiciliation des familles. Nous serons éventuellement peut-être amené aussi à réviser le périmètre scolaire de la rentrée 2023 en tenant compte des particularités, des cas particuliers des familles qui seront concernées par ces problématiques d'éloignement. Et l'idée, c'est vraiment de gérer au cas par cas pour faciliter la vie des familles, hein, parce que bien évidemment, c'est quand même un point d'attention qui est important pour nous. Alors ensuite, vous parlez des ouvertures et des fermetures de classes. Alors je voulais juste vous faire un petit rappel quand même, c'est que la commune n'est absolument pas décisionnaire. Les décisions sont prises en fonction d'un certain nombre de paramètres, principalement notamment des effectifs des enfants par école, par phase, puisqu'il y a une première partie de carte scolaire qui se fait en février, en juin, et qui peuvent même être révisées jusqu'au mois d'août. Et d'ailleurs, donc nous avons appris en date du 15 février l'ouverture d'une 10e classe à l'école Langevin. Non, ce qui est plutôt positif. Donc, bien évidemment, le service scolaire, notamment autour du mois de novembre, travaille en lien avec le service de la petite enfance et le service urbanisme pour justement travailler sur toutes les prévisions d'effectifs. On échange donc régulièrement aussi avec l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. On suit de près les effectifs de nos écoles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est quand même, je vous l'ai déjà dit lors d'un précédent conseil, mais on est plutôt privilégié puisque les effectifs moyens de nos écoles sont de 24 à 25 élèves par classe, ce qui est aujourd'hui tout à fait acceptable. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de garantir en fait le nombre de classes qu'il y aura dans chaque école de la commune en septembre 2023. Plusieurs indicateurs rentrent en ligne de compte, comme vous le savez tous. Il y a d'une part la démographie, il y a les mouvements des familles, il y a l'indice de position sociale des familles qui est aujourd'hui très analysé et surveillé justement pour évaluer si des classes doivent être ouvertes ou fermées. Il y a des constructions immobilières et aussi les priorités de l'éducation nationale, puisque aujourd'hui, on aura vraiment à la rentrée de la prochaine un allègement des classes à 24 en grande section CP et CE1. Il y a aussi des impacts qui sont notamment sur les conditions de décharge de directeurs d'école qui vont augmenter à la rentrée prochaine et un renforcement du partenariat école-ville sur lequel on travaille vraiment au quotidien. Je peux aussi vous dire qu'il y a des projets immobiliers qui verront le jour, comme vous pouvez le savoir vous aussi, sur le secteur de Perrault. Et nous serons dans une logique d'ouverture de classes sur cette école, et ce qui est déjà intégré dans le projet des nombres de classes que l'on prévoit dans le schéma fonctionnel de l'école pour la rentrée 2025. Donc voilà, donc notre interlocuteur et partenaire est vraiment l'inspecteur de l'éducation nationale. On a échangé notamment au sujet du projet Langevin pas plus tard que mardi. Donc voilà, effectivement, on pourrait peut-être, mais ça c'est vraiment purement hypothétique, se dire que si on avait beaucoup d'enfants qui seraient amenés à être déplacés sur d'autres écoles pour faciliter la vie des familles, potentiellement peut-être qu'une classe pourrait fermer à Perrault pour réouvrir sur une autre école. Ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas la vision de la rentrée 2023. En tout cas, je peux vous certifier une chose, c'est que notre engagement sera vraiment de veiller à ce que le nombre de classes dans nos écoles soit en cohérence avec les effectifs que nous aurons à chaque rentrée. Voilà. Et en tout cas, c'est ce sur quoi on travaille chaque année et ce sur quoi on travaille en tout cas aujourd'hui pour préparer la rentrée 2022. Et enfin, vous évoquez, alors un peu à ma grande surprise, des travaux de rénovation sur l'école Langevin qui pourraient être faits dès la rentrée. Alors, nous avons prévu effectivement de rénover la clôture de l'école qui est en mauvais état depuis de nombreuses années et de densifier la haie végétale pour répondre aux exigences de Vigipirate. Donc aujourd'hui, aucun travaux de rénovation ne sont prévus en dehors de cette exigence sécuritaire et qui est nécessaire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je n'en doute pas, Madame Alquier. Oui, merci de ce rapport bien détaillé. Merci beaucoup. Et je voulais justement insister sur le fait qu'il y a beaucoup de logements qui vont être faits, logements sociaux, etc., dans la rue de Versailles, et que donc il faut vraiment anticiper en amont. Et c'est pas simplement dans la procédure avec l'inspection du travail, c'est très très important. Non, mais vous le verrez, merci. Vous le verrez dans le détail du projet. Je pense qu'on anticipe assez largement sur l'arrivée de ces logements, en espérant qu'il y ait effectivement des enfants qui arrivent avec les logements, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je rappelle que sur le peuplement
de Klosterman, l'arrivée des enfants n'a pas été à la hauteur de nos espérances et du nombre de logements qui auraient dû. Voilà, donc faut être quand même prudent, mais on partage votre souhait. Si vous le voulez bien, Monsieur Tabary, je vous passe le micro virtuellement pour que vous posiez votre question sur la vidéosurveillance. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous avons vu dans le dernier compte-rendu du Conseil communautaire de Versailles, Grand Parc, que la vidéosurveillance du Généraux-Grandcourt pouvait être transférée à Versailles Grand Parc, alors que nous avons été les pionniers dans cette démarche et qu'elle a prouvé son efficacité dans notre ville. Quelles sont les conditions techniques et financières de ce transfert? Quel sera le coût pour la ville? Quelle en sera l'organisation? Et gardons-nous des marges de manœuvre dans l'utilisation de nos moyens de surveillance? Merci. Merci de votre question. Je complète le propos que j'ai tenu pendant le débat d'orientation budgétaire. Oui, on a été effectivement pionniers, on a développé un réseau de vidéosurveillance de très bon niveau, mais c'est un réseau de vidéosurveillance communal. Autour de nous, petit à petit, un certain nombre de communes ont investi, mais de manière inégale. Donc on a 3 ou 4 communes sur l'agglomération Versailles Grand Parc qui ont investi assez significativement dans la vidéosurveillance, mais elles l'ont fait à l'échelle de l'agglo, avec des solutions techniques, avec un réseau qui s'est maillé. Et donc, quand nous arrivons aux affaires, avec une vidéoprotection, une vidéosurveillance qui va devoir être régénérée, le choix est assez vite fait. Soit on continue en autonomie à investir et à upgrader, comme disent les techniciens, notre vidéosurveillance, mais qui restera communale, ou bien, et il me semble que c'est le sens du choix qui a été fait, alors peut-être un choix un peu forcé pour mon prédécesseur, mais en tout cas, moi, c'est un choix pleinement assumé. Quand on est dans une interco, c'est pour rechercher des économies d'échelle, de l'efficacité, etc. Et le choix que j'ai fait est de permettre à Versailles Grand Parc de bénéficier de ce point d'appui qu'est le réseau de vidéosurveillance du Chesnay pour améliorer significativement la vidéosurveillance sur le nord de Versailles Grand Parc, le nord-ouest de Versailles Grand Parc, et pour nous, pour répondre à votre question, de bénéficier des efforts d'investissement, parce que VGP fait des efforts très conséquents en matière d'investissement et de déploiement de fibres pour compléter ce que nous avons complété. Et donc on apporte effectivement dans la corbeille de la mariée nos savoir-faire, nos équipes. On est le seul CSU à tourner 24-24 7 sur 7 hein, sur l'agglo. Voilà. Donc évidemment, demain, qu'est-ce qu'on va gagner? En allant vidéosurveiller d'autres communes, on va ou refacturer des ETP ou mutualiser des moyens qui nous permettront soit d'augmenter la présence humaine, parce qu'aujourd'hui, on est un peu en limite. Hein, vous avez, je crois, 250 caméras et un mur d'image qui commence à être compliqué à certaines heures en termes de... En 260 ? Voilà. Plus de 260. Il y a quelques heures dans les 24 heures où une deuxième paire d'yeux serait assez nécessaire pour utiliser pleinement les potentialités de notre outil. Et ça, on n'a pas les moyens de se le financer. Hein. On a déjà beaucoup investi, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est très en avance. On pense que cet outil-là pourrait être encore mieux utilisé, mais il ne le sera que si on mutualise les moyens humains. Donc, c'est des sujets qu'on a évoqués avec le maire de La Celle-Saint-Cloud, le maire de Bailly, le maire de Bougival, voilà, et qui semblent les intéresser. Donc, on s'inscrit donc dans une intégration pour passer la prochaine étape technique, parce que toutes les salles des différents PC doivent être régénérées, le réseau doit être développé. Alors, on ne va pas changer toutes les caméras, hein, on a changé un certain nombre, mais on va profiter de la capacité d'investir de Versailles Grand Parc sur le complément de fibre et venir à la fois améliorer le maillage de notre territoire et ça par contre c'est la demande que j'ai formulée, que le futur poste de commandement de VGP Nord soit sur la commune du Chesnay pour qu'on conserve voilà, les savoir-faire, la maîtrise. Mais j'espère qu'à l'issue, on aura un meilleur maillage de notre commune. Deuxièmement, une présence humaine renforcée, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du 7 sur 7 et des fonctionnalités, évidemment, l'administration était très, très attentive quand nous sommes arrivés à me rappeler que les moyens humains qu'on a mis au CSU ne servent pas qu'à surveiller les écrans. Hein. On a une espèce de domotique à l'échelle de la ville. Et donc, il ne s'agissait pas qu'en mettant en commun ces éléments-là, on perde des fonctionnalités qui nous sont utiles et qui nous ont permis de faire des économies ces dernières années en matière de surveillance de nos équipements. Donc, tout ça est dans le cahier des charges. Mais je pense que, voilà, quand vous regardez une carte, vous dites si demain, compte tenu de la géographie de Versailles Grand Parc, le Chesnay continue à jouer en solo sur un sujet comme ça, là aussi on est dans la vraie fausse manœuvre. Donc voilà, donc je ne dénie pas du tout le fait qu'on a investi plutôt de manière pertinente. Je pense qu'aujourd'hui le temps est venu
de permettre de mettre en commun nos savoir-faire, nos équipements et de profiter, parce que Versailles Grand Parc n'investit pas dans énormément de choses, mais en tout cas sur la vidéosurveillance, sur cette mandature, c'est clairement un endroit où un certain nombre de financements ont été fléchés. Et je trouve que voilà, si on doit, s'il y a quelque chose à faire en vrai sur cette mandature à l'échelle de VGP, d'utile, de relativement visible pour les administrés, parce que la vidéosurveillance, on peut arriver à en parler, et je le redis aussi, ces caméras, demain, elles vont faire autre chose que la vidéosurveillance. On parle de la Smart City, des caméras avec des logiciels adaptés, ça fait autre chose que de surveiller les méchants. Ça peut permettre de compter les flux, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, on a une ossature forte de ce réseau et je crois que c'est bien de la partager. Je vois que M. Konsdorf s'est emparé du micro. Christophe. Oui, comme vous l'avez entendu, en fait, à VGP, il y a des outils en fait qu'on peut mettre sur ces caméras et qui permettent notamment, alors, pour les méchants, de suivre plus efficacement, de repérer des individus qui ont des comportements suspects et par ailleurs en fait de mettre en place des dispositifs qui permettent de faire du comptage, des mesures, etc. Oui, bon après je ne vais pas tout développer. Est-ce que ces éléments répondent, Monsieur Tabary? Oui, Madame Alquier. Oui. Ouais, moi, il me semblait qu'on avait un avantage quand même par rapport à ce que faisait VGP, c'est qu'on faisait du 24-24 et qu'on pouvait intervenir et ce n'était pas tout à fait la solution qui avait été choisie par VGP de mémoire. Donc voilà, du coup, ça veut dire qu'on va faire un transfert complet de compétences ou voilà, juste un petit peu comprendre. Alors, comment ça va se passer. Il n'y avait pas eu de doctrine, c'est les communes qui ont choisi chacune pour celles qui s'étaient dotées d'un CSU, des moyens humains qu'elles y consacraient. Effectivement, aucune d'entre elles n'a fait du 7 sur 7, 24-24, mais chaque commune, que ce soit Versailles, Bois d'Arcy ou Vélizy, on fait des choix d'organisation différents. Ce n'est pas VGP qui a dit vous ferez ci, vous ferez ça. Là, on est plutôt dans le constat de la réalité. Après, les moyens humains, ça n'est qu'une question budgétaire. Si demain Vélizy veut faire du 7-7-24, on sait leur donner le cadre d'organisation et les effectifs à mettre en place. La question va plutôt être de savoir la nuit notamment s'il y a un PC maître et des PC esclaves et qu'à un moment il y a une présence humaine pour l'ensemble de la communauté d'agglomération, mais après laisser une seule personne surveiller tous les murs d'écran de toutes les villes, il faut qu'elle ait des bons yeux et voilà, je pense que c'est un petit peu compliqué. Nous, en tout cas, on ne renoncera pas à la présence 7 sur 7, 24-24 parce que ça répond à des fonctionnalités spécifiques à la commune. La question, c'est plutôt de dire demain, il y a des moments dans la journée où une deuxième personne, pendant une paire d'heures, à certaines heures de la journée ou de la semaine, serait utile parce que ça permettra effectivement de maximiser les synergies avec les forces de police. Hein, je le redis, là aussi, un certain nombre de communes n'ont pas du tout fait les choix qui ont été faits sur cette commune d'avoir en vrai de la police municipale et c'est la combinaison des deux qui permet d'être efficace. Voilà, donc on va plutôt travailler là-dessus, sur les articulations, mais après, c'est pareil, hein, si vous... pour reprendre les communes qui sont autour de nous, la Salle-Saint-Cloud par exemple n'a quasiment pas de policiers municipaux. Ouais. Donc à un moment, des synergies sur le terrain avec la police municipale qui n'existent pas, c'est virtuel. Donc il faut regarder à quels endroits, à un moment, l'investissement humain supplémentaire dans un certain nombre de postes de commandement VGP est utile, parce que derrière, Vélizy par exemple, il y a une police municipale qui est plus importante que chez nous. Sans doute qu'à un moment, ça vaudra le coup pour Vélizy de renforcer ses moyens pour avoir un dialogue plus soutenu et plus efficace avec sa police municipale. Mais c'est la décision du maire de Vélizy, peut-être en lien avec ses voisins qui seraient éventuellement capables de cofinancer la montée en puissance RH. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Il n'y a pas de doctrine en disant demain ce sera comme ça. La vraie question, c'est la question de la permanence et à quelle échelle et dans quel délai. Et ensuite de l'harmonisation technique, à la fois logicielle et infra, pour demain que l'ensemble de ces CSU dialoguent entre eux. Pour vous la faire courte, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout expert en montage, mais les architectures et les solutions techniques ont été choisies ne permettent pas facilement de dialoguer. Donc, comme de toute façon, tout le monde doit cranter, autant que l'étape d'après, on la fasse ensemble et qu'on ait des outils qui dialoguent. Et vu les effectifs mis à disposition par la police nationale sur notre territoire, il faut quand même que se dire demain, la tranquillité publique sera de plus en plus l'apanage des polices municipales. Et donc, il faut qu'on garde en tête que si on veut, comme on le fait sur notre commune, être capable d'être réactif, ce sera une combinaison d'une vidéosurveillance et d'une présence humaine de qualité qui fera demain la tranquillité de nos administrés, plus que les quelques policiers de la police nationale qui opèrent sur le territoire, et malheureusement en nombre trop peu important. Donc à ce stade, je comprends qu'il n'y a pas d'uniformisation et qu'on continue... Non, alors pour être clair, à ce stade, l'idée c'est que dans les années qui viennent, parce que notre CSU de toute façon arrive en limite de taille, on fasse refinancer par Versailles Grand Parc un CSU Nord VGP, qui embarquera la vidéoprotection de 3 ou 4 communes en plus de celle du Chesnay, et qu'on convienne avec ces communes de l'armement en moyens humains
de ce centre de supervision. Et que VGP continue à investir, enfin, prenne le relais et investisse en déploiement de fibres et de caméras sur les parties de la commune qui ne sont pas aujourd'hui vidéosurveillées. Et j'imagine que sur le plan financier, ensuite, c'est réparti peut-être au nombre d'habitants ou... Oui, après, bah, c'est les clés de répartition habituelles de VGP, voilà. Mais ça, vous avez des représentants. L'équation économique devient quoi ? Ça va nous coûter Ça nous coûtera quasiment plus rien parce que c'est VGP qui va prendre à son compte. Enfin, ça nous coûtera plus rien, on paye des impôts, mais c'est VGP qui portera les investissements, oui, mais et plus la commune. Mais c'est plus nous qui investirons dans le déploiement de réseaux de fibre optique en direct. Mais de mémoire, c'est 600 000, c'est ça ? J'ai plus les détails de ce qu'on a consacré, parce que entre les Louis-Marie, est-ce que tu as en tête ce que nous a coûté le déploiement de l'an dernier de la vidéosurveillance ? Je sais plus combien on a mis sur la table. Sans beaucoup de garanties, je pense qu'on était autour de 120 000 euros d'électronique, de matériel, et puis 80 000 de voirie ou quelque chose comme ça, ou 100 000 dans ces eaux-là, ouais. Là, honnêtement, le grand intérêt, c'est que VGP a affiché une ambition de déployer de la fibre pour couvrir un certain nombre de, on va dire, d'entrées de ville ou d'entrées d'aglo sur lesquelles on est défaillant. Je vous redis, l'avenue Charles de Gaulle en fait partie. Et pour l'instant, on a toujours buté sur les coûts extrêmement importants de VRD pour aller tirer. C'est pas la caméra qui coûte cher, hein, mais quand vous avez pas du tout de fourreau et qu'il faut tirer 300 ou 400 mètres uniquement pour de la fibre optique, ça fait cher la vidéosurveillance. Et donc on progresse au fur et à mesure des chantiers, mais à un moment, tant que vous avez de la discontinuité, la caméra elle est pas connectée. Et donc là, s'il y a une vraie volonté affichée par VGP de compléter, notamment sur les entrées de ville, ce retard, ça sera très rapidement un plus pour à la fois les équipes qui surveillent et celles qui interviennent. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclairage, M. Tabary, à votre question. Oui, juste, ça aurait été bien de nous en parler avant de faire l'opération, on va dire. Ça aurait été sympathique. Mais on sait, voilà, je suis votre représentant à tous à VGP, mais il n'y a pas de mystère. Madame Fauvel, vous avez une question sur les arbres ? Oui, Monsieur le maire. Nous avons découvert du jour au lendemain l'abattage des arbres au carrefour de l'Europe. Pouvez-vous nous dire pourquoi et nous donner lecture du courrier de la DRAC, s'il vous plaît ? Alors, je vous donne des copies parce que la lecture est assez aride du courrier, mais pour vous la faire courte, d'abord, c'est un sujet qui n'est pas complètement nouveau. La hauteur des arbres commence à être gênante et depuis plusieurs années pour l'arrivée sur l'héliport de l'hôpital Mignot, et donc il devenait urgent et nécessaire d'étêter les arbres. Donc, pas de les couper complètement, mais de les couper de manière significative. Il se trouve que nous avons encore quelques compétences et quelques expertises en matière de coupe d'arbres dans la commune, et donc nous avons fait appel à M. Hamon, qui est en tout cas beaucoup plus sachant que moi sur le sujet, et qui nous a expliqué que si on les étêtait, les arbres allaient crever assez vite, et donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de couper complètement ces arbres. Donc c'est évidemment pour des raisons de sécurité des vols. Je ne pense pas que quelqu'un ait quelque chose à redire sur la nécessité de garantir la sécurité de l'arrivée des hélicoptères à l'hôpital Mignot. Je vous avoue que j'ai trouvé un peu dommage la petite polémique de la Saint-Valentin sur les arbres. Il y a évidemment pas de sujet. On coupe rarement les arbres par plaisir. En l'occurrence, là, l'explication, vous l'avez, mais je vous donnerai vraiment copie de la préconisation de la demande de la DGAC. On est sur des sujets de sécurité aérienne. Je pense qu'au moment où on a créé l'héliport, les arbres n'avaient pas poussé comme ils ont poussé. À un moment, quand vous êtes en proximité de zones de vol, que ce soit sur les aérodromes ou sur les héliports, il faut couper. Voilà. Et comme vous nous avez interpellé, on a répondu sur les sites de la ville et le bilan pour l'instant coupe et plante d'arbres est plutôt favorable à la plantation des arbres sur la commune. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. J'en ai presque terminé, mais comme j'ai reçu un courrier hier, qui est arrivé en fait aujourd'hui, donc de Madame Alquier et de son groupe, concernant une sollicitation auprès du préfet qui fait suite à la pétition, à l'article de journal. Voilà, je vais quand même prendre la parole, je l'ai fait un peu hier en Facebook Live, pour vous dire quand même un peu ma tristesse. De voir les moyens utilisés. J'ai rien contre les pétitions, notamment quand elles émanent d'administrés, mais vous êtes élus. Moi, je considère que vous êtes des citoyens un peu particuliers, vous avez la possibilité d'intervenir, de vous exprimer. Faire une pétition avec beaucoup de contre-vérités factuelles.
voilà, commencer avec attention danger, etc. Annoncer des chiffres qui sont faux sur les kilométrages annoncés, sur les budgets, alors qu'on a partagé avec vous en toute transparence. On aurait pu faire le travail qu'on l'a fait, on aurait pu le faire en chambre jusqu'à aujourd'hui. On a pris un an pour faire les études techniques. On les a partagées dès qu'on les a eues, en mode brut de décoffrage. On a fait travailler les conseils du quartier pendant deux séances. On est passé d'un projet chiffré à 9 millions d'euros hors subvention, ce que vous ne rappelez pas dans votre pétition, à 6,4 millions d'euros. Donc, si ça, c'est pas de l'ajustement, des échanges, des itérations, je m'y connais pas. Si ça, c'est pas de la concertation, du dialogue avec la population, je m'y connais pas. Et d'ailleurs, si vous avez pu alimenter votre pétition et le courrier, c'est bien que vous avez eu des informations. Donc, on n'est pas du tout dans la rétention d'informations. Voilà. Je trouve que le procédé est assez attristant, pour ne pas dire autre chose. Voilà. J'ai lu, évidemment, avec votre attention, votre interview dans le journal, quand vous expliquez que vous n'avez rien contre les vélos et que c'est pas une opération politicienne. Bien évidemment, on va lire le contraire. Parce que si vous n'êtes pas pour les vélos, moi, j'ai du mal à voir ce que vous êtes. On est vraiment dans une posture complètement passéiste. Évidemment que l'intention, elle est politicienne. Je ne vois pas autre chose. Voilà. De toute façon, si vous l'indiquez à la journaliste, c'est que vous avez bien besoin de vous justifier sur le sujet. Voilà. Je trouve ça très, très attristant. Je ne suis pas le préfet, donc monsieur le préfet, qui est un homme de qualité, vous répondra. J'attire juste votre attention sur le fait que la délibération que vous attaquez d'ici ce soir ou demain, on aura passé les deux mois de délai et que, là, a priori, sauf à ce que la préfecture trouve qu'il y a quelque chose à redire, elle sera validée. Voilà. Voilà. Et je veux vous redire quand même que la posture que vous avez adoptée sur ce plan communal de déplacement urbain est vraiment complètement orthogonale avec tout ce qui se passe autour de nous. Et quand vous évoquez Madame Hidalgo, je suis désolé, tout à l'heure, avant d'arriver au Conseil, l'adjoint maire de Versailles, Monsieur Lyon, qui n'est pas tout à fait un homme de gauche, postait une copie d'écran de BFM TV en indiquant que Versailles était la ville la plus cyclable de l'Île-de-France. Voilà, c'est juste ça la réalité. On a 15 ans de retard. La ville voisine dans laquelle les voitures, les bus, les camions circulent, donc tout ce que vous racontez sur le vélo contre la voiture, c'est faux. C'est juste complètement faux. C'est complètement archaïque. La région Île-de-France, qui je crois n'est pas dirigée par une femme de gauche, va mettre 150 millions d'euros sur un plan RER vélo. Juste pour vous rappeler qu'à un moment, si on fait des aménagements sérieux, des aménagements de sécurité, il faut y mettre un peu d'argent, bien sûr. Et que je pense que c'est de l'argent bien utilisé, contrairement à ce que vous dites. Voilà. Donc à un moment, je trouve que voilà, vous êtes sur une position très passéiste, je vous le dis, vous êtes sur le tout voiture, il faut assumer vos positions. On ne peut pas dire que vous êtes contre le vélo, que vous êtes pour le vélo, vous êtes contre le vélo. Quand vous expliquez que 35 km de piste cyclable, ça va empêcher les voitures de circuler, ben, c'est une vision très passéiste, pour ne pas dire complètement fausse de la réalité. Donc je vous invite à repasser juste de l'autre côté à Versailles, regardez ce qui a été fait depuis 15 ans. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'enquête publique sur les dernières créations de pistes cyclables, puisque M. de Mazières a profité du Covid et des coronapistes pour déployer à grande vitesse un certain nombre de pistes. Est-ce que ça a altéré la démocratie? Est-ce que ça a empêché les voitures de circuler? Non. Voilà. Par contre, c'est une vraie réponse au défi de transition écologique. Voilà. Donc on est très en déphasage, mais je vous avoue que la méthode, y compris d'ailleurs le courrier au préfet, parce que le contenu est à peu près équivalent à votre pétition, est véritablement attristante parce que depuis le mois de septembre, Madame Alquier, depuis le mois de septembre, je n'ai pas vu l'ombre d'une proposition de votre part sur des solutions. Rien. Le statu quo, la polémique, y compris sur l'avenue Charles de Gaulle, où on a fait l'effort de vous faire démonstration qu'on était capable, après le test qu'on va faire, de créer des pistes cyclables sécurisées en maintenant deux voies. Bien évidemment, ça, vous n'en parlez pas dans votre pétition. Voilà, donc on est dans la désinformation, dans quelque chose, je l'ai dit, que je trouve intellectuellement malhonnête. Et franchement, quand on est élu d'opposition, alors vous découvrez un peu le métier, hein, voilà, quelques-uns qui ont plus d'expérience que vous là-dedans, on a d'autres outils qu'une pauvre pétition basée sur des informations fausses et qui, à mon avis, altère l'image que les politiques locaux donnent à leurs administrés. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. J'en dis pas plus. De toute façon, la réponse du préfet, vous l'aurez rapidement parce que le délai des deux mois, il va se terminer d'ici 48 heures. Et voilà. Et nous, on travaille. Et je le redis, et je terminerai là-dessus. Tout travail technique qui a été fait, il vise à aller chercher des subventions. Je l'ai dit. Tout ce qu'on fera sur le PCDU sera subventionné. Donc aujourd'hui, les équipes travaillent. Et c'est pour ça qu'on a passé les délibérations au mois de décembre. C'est pour être en situation de pouvoir aller déposer des subventions à la région. Subventions extrêmement importantes, à hauteur de 50%. Voilà. Tout ce travail, c'est un travail préparatoire, calculé, qui ne nous a pas empêché du tout de partager les projets que nous avions avec la population. On les a beaucoup amendés, pas simplement financièrement. On a discuté, on a renoncé. Il y a des choses qu'on a décaillées, des choses qu'on ne fera pas. Voilà. Y compris sur des aménagements qui finalement seront sans doute moins sécuritaires avant qu'après. Mais à un moment, on a fait le choix de demander avis à la population.
Voilà, et donc on écoute, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elle nous dit, mais on écoute et on amende. Voilà. Donc moi, je ne veux pas qu'on soit caricaturé sur le fait qu'on n'a pas du tout dialogué. Ce que vous écrivez est juste faux, Madame Alquier, juste faux. On a, depuis le début, été parfaitement transparent. Et je le redis, on aurait pu jusqu'à aujourd'hui ne rien montrer. Et je n'imagine pas ce que vous nous auriez dit à ce moment-là. Voilà. Donc je trouve que la méthode de la pétition est, franchement, de la part d'élus, qui plus est pour vous d'élus expérimentés, une méthode un peu pauvre. Vous avez d'autres moyens d'intervention, je dis les propositions, et je le redis, vous ne nous avez fait aucune proposition, mais aucune proposition depuis que ce sujet est sur la table. Il est travaillé depuis 2 ans, rien, juste rien. Expliquez à la population qu'il y a sans doute mieux à faire, mais dites-nous ce que vous faites avec les 7,3 millions d'euros. Je n'ai rien vu du tout, rien vu en tout cas qui améliore la pratique du vélo dans cette ville. On a juste 15 ans de retard, et bien écoutez, nous, à la fin de la mandature, on aura réellement progressé sur le sujet. Et j'en termine là-dessus. Voilà, je vous donne rendez-vous le 16 mars prochain pour la prochaine séance du Conseil municipal et vous souhaite une excellente soirée. Ah ben je n'ai pas le droit de réponse. Très bien. On verra. Tout le monde est... Monsieur le maire, si vous voulez bien... Je crois que la séance est levée, monsieur Toledano, donc on se revoit le 16 mars. Vous aurez tout le loisir voilà de m'interpeller le 16 mars. La séance est levée, monsieur Toledano. Merci bien. Voilà. Merci. Le partage. Je voulais réagir à vos propos, mais...